Ok. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Même moment, nous t'attendons. Nous finalement live pour Final Hope for Haiti Women Economy Challenge. Moi, ce moment t'attendons, je te dis, c'est à 11h, tout le monde parle. Nous avons fait un bagage qui est historique, je dis, c'est nous arriver à faire un concours entièrement en ligne jusqu'à ce final là en ligne. Mais j'espère que jodi a ça nous va le faire à pour moi un témoignage pour un pile monde que li possible nous pas qu'à quitter coronavirus annuler ça n'a fait nous doit rester focus parce que même les bagailles ta difficile n'a joindre une solution avec technologie pour nous capable faire un bagaille que ça n'a fait jodi a qui c'est live final Hope for Haiti challenge. Qui ça lié? Hope for Haiti Challenger, c'était un concours qui était lancé pour le département sud. Là. Concours ça, côté nous avons cherché filles qui sont entrepreneurs, qui ont fait business dans le département sud, là, pour nous capables de permettre de participer dans le concours, appliquer, pour nous gagner, je dis, le final ça que nous allons suivre là, c'est possibilité pour 3 personnes gagner jusqu'à 18 000 dollars. Premier gagnant a gagné 10 000 dollars, deuxième gagnant 5 000 dollars. Troisième gagnant, 3 000 dollars. Et capitaine, qu'est-ce qui surprise, n'a fait nous connaît après, les nous arrivés là. Eh bien, mesdames qui vont conquérir aujourd'hui là, qui vont participer dans le concours, c'est mesdames ça. C'est 5 mounes ça, Bernice Néré, Sansana Sincère, Devouine Denozil, Sylvie Rimbaud, et puis Dagui Charles. Mais on va arriver dans la partie côté, on va parler avec nous, m'a retiré place moi. Pour me faire nous rencontrer et Hope for Haiti qui c'est organisateur et événement aujourd'hui m'a demandé pour Christina Baptiste qui c'est chef programme économie et Hope for Haiti a venir sous live là joukounya là pour lui capable dire nous tout bonjour et puis pour lui capable saluer toutes mesdames participantes. Christina qui janvier bienvenue dans finale Hope for Haiti Women Economy Challenge. OK, n'a écouté au Christina. OK, merci Marc Alain. Nom c'est Christina Baptiste, vous faites ça. Moi c'est manager programme économie dans Hope for Haiti. Yon parti nan travay mwen comme manager programme économie, c'est investi dans business nan si pays an à travers prêt, subvention ak microcrédit. Et année passée, un programme économique a été décidé de célébrer l'anniversaire 30 l'année au Ferrari. Nous créons une compétition pitch et gros client, c'était 30 000 dollars américains. Et puis les Haiti Initiative, tant de compétition ça, ils ont décidé de payer 5 000 dollars pour deuxième placement. Nous demandons que business yote répondre à quelques zones impact Hope for Haiti qui c'est éducation, énergie propre et environnement, sécurité alimentaire, soins santé et nutrition, écotourisme et technologie. Et nous avons un pile candidat qui était innovateur et impressionnant et nous sommes tellement contents pour nous être entrepreneurs dans ces lieux. Gen an pile belle idée pour partager. Premier place là, nous allé à Epsitech. Epsitech c'est une compagnie dans ville locale qui offre service tant que analyse et examen médical que nous pas joine facile dans ville là, so nous convoyé au Port-au-Prince. Et puis après ça, yo vend matériel laboratoire et en plus ministère santé publique reconnaît yo. Avec l'argent, ils ont recevoir comme prime. Ils ont installé panneau solaire dans l'espace, acheté équipement. Ils ont besoin et puis ils ont gagné un pile patient avec nouveaux partenaires, donc pour foyer Saint-Étienne qui c'est clinique Hope for Haiti. Et puis deuxième place là, deuxième gagnant, c'était OPQH et ils ont joint ça avec un projet de transformation plastique. Pour année ça, moi j'étais concentré sur femmes parce que année passée nous pas de gain pile qui était partagé ou participé dans concours.
Et nous connaissons femmes aussi pour ton mitan société. Hein? So, donc, moi, je voulais engager tout entrepreneur femme qui est dans ce site-là pour avoir une petite opportunité côté yo ka représenter business yo à communauté yo et pour yo ka jwenn support local avec global dans année ça nous te jwenn 61 applications et dans 61 20 femmes te recevoir en formation sur développement business archétype client et yo apprécié de qui ça un business model canvas hier que yo ka pral que yo ka appliquer n'importe qui business yo voulez grandir ou soit joindre financement pour lui. Après ça, tu as 5 ans d'un qui recevoir en formation avec Macalin sur pitch non sur pour une façon yo t'a plus bien préparé pour faire final là aujourd'hui. Hein. So Bernice, Santiana, Devwin, Sylvie, Dagisha, moi t'aimerais souhaiter nous bon succès mesdames. Et merci tout qui t'es soumis en application pour participer. Nous tout est impressionnant et pour nous t'es impressionnant. Mes projets étaient vraiment intéressants tout. Et il est un défi pour nous réviser belle application ça y est. Mais tout reformater tout processus là pour faire les tout sur internet. Donc pour formation c'est un zoom comme ça l'été. Et merci tout le monde et merci nous avec nous sur live ça aujourd'hui. Merci Christina de ce côté partager mot ça avec Mounio. Si vous faites brancher live là, vous regardez Final Hope for Haiti Women Economy Challenge. Bon zon bagay, partager live là mais venez voter tout. M'bra lagué en bas live là, on lien côté que vous capable voter pour moun ou penser qui était pi bien pitch pendant que libre pitch ta là. Donc on lien Google côté web seulement mettez email ou et puis web capable dire qui est ou pensez qui te pitch pi bien. Et ben qui est qui va évaluer pitch yo jodi a. Et ben mais mesdames yo, j'en nous dit ouais, c'est yo même qui va pitch ta là. Mais pour évaluer mesdames yo, nous gagne un jury avec nous jodi a. Jury a composé de Edly Dacius, de Linda Delin, de Melissa Patberg et de Molène Louis que m'bral qui branché avec nous là et qui bral interagir avec nous directement sous live là et qui bral interagir avec participants yo directement sous live là. En ben, n'a commencé mandé membre jury yo commencer ouvrir vidéo yo pour yo capable présenter nous, dire nous bonjour avant nous arriver dans phase côté nous bral tande pitch là. Bonjour, bonjour, bonjour tout membre jury et m'a retiré nous sous mute, pas oublier de mute tête nous pour nous capable paraître en dans live là. Bonjour, bonjour Molène, bonjour Melissa, qui j'en ouyé. Bonjour Macalé, bonjour tout le monde. Edly, bonjour Molène, bonjour tout le monde. Et Edly si ou sous live là avec Linda ou mettre paraître tout à tout si ou pas capable paraître dans moment là nous capable peut-être ou bien problème internet mais nous connaît que nous tous les deux sous live là eh ben Melissa dit mon qui mounouye et qui ça va partir de mesdames du matin. Mais oui, bonjour tout le monde, moi c'est Melissa Patberg, je travaille pour un film local qui relait Papyrus SA, c'est un film de gestion locale. M'géré un projet qui est le Combit, c'est un projet qui est financé par USAID et puis nous travaillons sur renforcement de capacité de organisation locale. Nous comptons là avec nous matin. Merci un peu Hope for Haiti. Bonne chance à toutes finalistes et bon succès mesdames. Très bien, très bien. Molène, dis-moi qui est souillé. Et qui sera partant de mesdames yo. Bonjour tout le monde, moi-même moi c'est Molène Louis. Moi j'ai un background en gestion management. Moi c'est responsable financier Banche. Ensuite moi supporter entrepreneur qui dans accélérateur Banche là bientôt. So jodi c'est un plaisir pour moi là avec tout moun yo. Ensuite pour ka wè sa mesdames yo poté et puis me souhaiter au succès et puis tout le monde c'est gagnant et puis mettez meilleur de nous-mêmes et puis fier de nous. Merci.
Très bien, très bien. Et Moulen, et bien, Kounia, n'a passé la parole à Linda. Bonjour tout le monde, moi c'est Linda Charles-Viguedolin et moi c'est manager de la Cayentelle, présidente association touristique du Sud. Je dis à son bel honneur pour moi pour me participer dans un bel événement ça, pour me vraiment supporter femmes dans le studio avec bel programme de porter pour tout le monde. Donc moi déjà dit tout le monde merci, m'a dit Macalin merci pour support li, m'a dit Hope for Haiti merci pour le Sud. Que vous avez fait aujourd'hui un chance ça pour participer et pour faire connaître qui ça a gagné dans Jacoutio. Mesdames, à nous toutes, compliments déjà, que nous gagnons, que nous perdons. C'est super ça n'a fait. Donc, nous voulons monter. Merci. Excellent, excellent. Est-ce que nous voyons ça qu'on fait là? Jury, yo la caillot, tout le monde la caillot. Mesdames, vous parlez, vous avez le pitch, vous avez gagné 18 000 $. Et grâce à Internet, concours a fait moins Port-au-Prince, yo okay, jury a jury à Port-au-Prince, et des moun qui San Francisco, des moun qui États-Unis, et tout moun branché. Nan fin, après, pitcho, nous allons faire une session spéciale avec Shaina Silva, qui va faire une présentation qui est une femme, Koken Chen, femme Chibil, on a parlé de lui tout à l'heure, et nous avons Skyler, qui est CEO pour Haïtia, qui après le paraître sous live là tout en fin. Donc tout le monde, tout côté, ensemble, nous allons concours pitch live sur Internet. Là. Mesdames jurio, merci pour tant nous. Nous mettons fermé vidéo, nous, Kounia. Nous allons passer dans le moment que tout le monde attend, qui c'est le moment pitch là, côté que nous allons des possibilités pour nous rencontrer mesdames qui a pitch. Actuellement là setup a fait en dans vos forêts ni dans okay côté que toutes mesdames yoé côté que nous avons stall spécifique pour yo même qui bral vin pitch là. Ah ben mais comment bagay yo bral fait là? Premier monde qui bral vin pitch là c'est Cosmos Solution avec Bernice Neri. C'est lui même qui you know nous place pour ordre. Pour Bernice Neri rentrer dans la salle pitch là que nous allons activer Kounia en dans Hope for Haiti. Est-ce que premier contestant paré pour l'entrée en dans la salle pitch là? N'a demandé pour activer salle pitch là pour nous capable commencer premier pitch là. Mesdames et messieurs, nous allons voir salle pitch là dans quelques minutes. Parce que nous avons activé ça le pitch. Ouais, mais dans le moment ça là, tous les 5 mesdames yo paré pour yo capable commencer rentrer directement dans ça le pitch là pour yo capable commencer pitch yo. Avant nous rentrer dans pitch yo, n'a fait ou rencontrer un autre monde important dans Hope for Haiti qui c'est Linda Delin. Que n'a demandé activer vidéo li pour dire nous bonjour. Linda Lelin, c'est lui-même qui c'est country director Hope for Haiti. Linda Vindi Mounio deux mots et comment vous êtes Linda? On mute tête pour dire Mounio bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Linda Telemac et moi c'est directeur national pour Hope for Haiti. Hope for Haiti, c'est une organisation américaine qui a expérience dans le programme soulagement pauvreté en Haïti pour plus que 30 ans. Depuis nous lancer bureau en Haïti en 1989, nous avons une ONG qui nous fait confiance, qui travaille pour améliorer la qualité de la vie du peuple haïtien. C'est tout, Timoun. Équipe nous et partenaires nous offrent plus bon moyen pour moun jwenn accès à éducation,
soins pour santé, de l'eau propre et développement économique. Principe nous yo, qui c'est résilience, renforcement, responsabilité, collaboration et espoir, renforcer résultat que nous bail. So impact nous. Nous avons une équipe incroyable qui a plus que 50 membres par personnel haïtien qui travaillent kounya dans le département sud dans le pays. So, depuis le premier cas que nous tous connaissons, Haïti a un coronavirus kounya, so, depuis le premier cas, tout le programme nous n'a pas jamais suspendu, n'a pas même ralenti. Hope for Haiti, nous connaissons, nous sommes un poteau pour la communauté et nous devons être essentiel pour nous continuer. So, Kounia a utilisé façon créative avec unique pour modifier tout programme nous pour respecter sa distance sociale, accenter employé nous avec bénéficiaire. Un programme que nous avons créé en réponse directe avec coronavirus, c'est nous avons 150 microcrédits pour les machines, les plantes, les entrepreneurs pour aider les business à survivre le changement économique que le coronavirus a fait. Avant de finir, je voulais féliciter tous les finalistes pour ça. Nous tous devons être très fiers de tête nous et nouveau que nous arrivons dans le concours. Nous disons bonne chance aujourd'hui. Moi entendez que nous t'ai fait un pile travail avec Bange pour arriver dans niveau que nous y est hein. So moi connais nous déjà paré. Nous toutes ces femmes, nous femmes jam, soit bien vendre business nous. Merci. Excellent, excellent, excellent. Thank you Linda. Eh bien, kounya là, nous allons rentrer dans partie qui est intéressant. Pas oublier en dans live là. Nous avons un lien que nous mettons pour capable à voter pour entreprise ou penser qui te pitch plus bien. Si tout bagarre en forme qu'on y a là, nous allons activer ça le pitch. Hein? Et puis, pour nous capable rencontrer premier candidat. Nous. Actuellement là, Linda, directement en dans Hope for Haiti, OK. Et moi-même, mon Port-au-Prince, m'a permis de nous jouer une possibilité pour nous connaître Linda. Linda a pitch business là en 3 minutes. La pitch business là en 3 minutes et m'a chronométré 3 minutes là pour pas qu'il y ait aucun erreur qui fait pour nous capable d'assurer nous que tout bagaille bien passé. Linda, est-ce que vous parlez? Pas Linda. Oh, Bernice, qui j'en ai, sorry. M'a manager un paquet de bagaille en même temps. Bernice, ba nou un petit test pour nous connaître sous paré et moun pa blier, n'attendez. Lè nou fin pitch pendant 3 minutes. Bernice, je suis prêt à monter pour capable venir poser aux questions. Bonjour Makalé. Bonjour Bernice, moi content wè ou et pour préparer pour capable venir pitch business. Eh bien, Bernice, ou gagne exactement 3 minutes. Pour pitch business à partir de Kounia. Bonjour tout le monde, je salue et remercie toute l'équipe au Foyerien, spécialement mon jury et tout le monde qui a regardé nous là. Moi, c'est Bernice Neri, ingénieur civil. Moi, c'est un monde qui est passionné par la question assainissement et l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, moi, un pitch pour moi parler de business. Moi, Cosmos Solutions, vous voulez côté une solution dans les affaires énergie propre à chaque bien haïtien. Depuis longtemps, causer courant, causer énergie, que ce soit pour courant ou pour faire manger, c'est mon casquette chinois dans le pays. Si on a regardé, causer quoi pour faire, mais pas jamais pour des solutions durables. Donc, toujours dans le blackout et moins pas système pour le charbon, pour le faire, pour le faire boire, pour le faire charbon. Ça a été toujours dans nos vulnérables dans la question de la santé et l'environnement. À partir des problèmes, ça y est, cause nos solutions de l'ignorer, qui reste dans les affaires énergie propre, nous travaillons à installer panneaux solaires avec biodigesteurs, caïmoun. Dans le cas où là, nous comptons offrir à la population sud, là, en commençant par mon chantal, l'opportunité pour faire manger sans avoir utilisé charbon encore à partir de matériel qui est le biodigesteur. On a transformé les déchets organiques d'origine animale et végétale pour nous faire un gaz naturel qui est le méthane capsule pour faire manger. Quelle autre institution qui fait, donc pour le sol, nous
transformer les déchets organiques pour faire compost. Mais Cosmos Solutions a fait de l'autre façon, la transformer les déchets organiques pour les produire en gaz, en énergie pour créer les biogaz. À partir de formation que nous avons fait, nous avons quel type de déchets pour mettre dans le biodigesteur, mais tout pour récupérer le digesteur, qui est un modèle naturel, un fertilisant, qui a utilisé dans la plantation, qui est deux fois plus efficace que l'autre, ça a fait à produits chimiques. Ils sont amis dans Chantal que nous avons rencontré, l'un qui a proposé que nous avons fait avec volontaire pour le projet. Il a dit que ça a fait des en pile. Parce que, yo, côté de la sud, qui est plus bête, il y a en pile plantation et trois femmes dans la communauté qui ont utilisé charbon. Pour faire l'autre monde bénéficier de biodigesteur, ça, chaque bénéficiaire projet, ça rapaille 500 euros chaque mois et chaque deux mois, on a qu'à installer un nouveau biodigesteur. Pour nous, comment ça fait que nous avons 600 plus pour l'année? Et l'un des 50 ménages qui ont biodigesteur, on a qu'à installer un nouveau biodigesteur pour chaque monde chaque mois. Mesdames et messieurs, imaginez combien de bois va coûter encore. Imaginez qui j'ai le code marié au calendrier. Et qui ça a proposé de l'emploi jeune? Moi-même, bien inséré, qui c'est ingénieur civil, qui a géré partie technique, là, Jean-Michel, qui c'est économiste, qui a géré partie financement, et Fabien Pauliniste, qui sont gestionnaires, qui a géré partie éthique de marché, avec Julien Jodias, qui c'est ingénieur, qui a géré partie technique, là, tout. Mesdames, membres du jury, m'a dit, nous, un gros merci. En avance, parce qu'il n'a pas permis d'accomplir l'autre monde, jouer un biodigesteur pareil. Ça, c'est comme une importance papier, et tout, n'a pas capable qu'on récolte au vide plus plus. Maintenant, pile en protéger la matière, pour la première installer dans le sein ou pas des plus. Nous avons contacté solution en 3751-5345 pour la solution Haïti. Oui. D'accord, merci. Ok, vous faites exactement en 3 minutes. Kounia là, nous allons demander même du jury pour monter sur live là, souterrain même pitch ça, changer l'en tête pour capable voter après pour meilleur pitch. N'a pas demandé membres du jury activer vidéo pour être capable d'interagir avec Bernice. Si nous avons des questions, on mute tête nous pour nous capable poser Bernice première question. Ah ben et on mute tête nous et puis nous n'a pas posé. Qui est-ce qui veut aller en premier? Est-ce que ou là? Bonjour, j'ai une question. Allez-y. Bonjour, Bernice. Merci. Merci un peu pour votre question. Et il est très intéressant et très important pour le pays, hein? Surtout pour protéger l'environnement. Pays. Il y a une question. Qui ça t'a été dans fait le digesteur ça? Qui ça qui t'a baillé l'idée? Merci, madame Mélissa, pour la question. Tantôt, j'aimerais dire que nous posons une solution à travers nos voisins, depuis 3 ans dans le secteur énergie. Là, moi, j'ai eu l'idée de faire installer le digesteur. C'est parce que nous avons remarqué que les gens qui ont consommé, qui ont utilisé, qui ont produit par là, ils n'ont pas connu qui s'apprête à déchets sérieux. Et en plus, ils ont jeté un canal, ça qui vient détruire l'environnement, qui vient avoir un problème à l'avenir. Et ça qui pose un pile d'autres problèmes, qui ont une bonne tendance de déforestation. Et en plus, ils ont un problème d'inondation, surtout dans le sud. Donc, c'est ça qui fait inciter et puis projet ça et puis penser ça. Merci. Merci. N'a pas rappelé que séance question-réponse a duré 5 minutes. Si vous avez une question, et 2 minutes peut-être. Ok, Moulène. Ok, question moi pour vous. C'est que comment comme que à Bolan, si vous c'est OK, qui sont fait à problème, comment comme ça peut aider ou atteindre l'objectif? Pardon? Par rapport avec lui, que vous pouvez compter par où si vous avez pris ça, qui ça a fait comme ça? Comment ou comme ça a contribué à atteindre l'objectif? C'est une belle question. Merci, Anthony. Le motif jeune comme ça, je m'en dis tantôt, on a commencé par faire des formations pour nous. Le premier type de déchets que vous avez dans la biodigesteur, nous allons installer le biodigesteur et puis avons maintenant habituel qu'à faire pour le biodigesteur. Donc,
l'autre. Chaque monde dans le projet, ça, chaque bénéficiaire projet, ça va avoir 500 gouttes chaque mois et chaque deux mois, on va être capable d'installer un nouveau biodigesteur pour un nouveau bénéficiaire. Donc, on va accumuler 600 plus pour mon année. L'homme va avoir 50 pour un biodigesteur. De suite, ensuite, on va être capable d'installer chaque mois un biodigesteur pour un nouveau bénéficiaire. Donc, on va se dire, comme ça, on va être capable d'atteindre un peu l'autre communauté. Il suffit que nous ayons des chers et que nous n'ayons pas capable de les chers, c'est sûr. Et pour nous capables de continuer avec le programme. Merci. OK. Nous avons l'autre question de Linda. Linda, vous m'avez parlé. Oui, mais Marc-Alain, vous m'avez parlé. Non, vous live. Live, good, OK. Moi, j'ai réalisé que c'est un bel projet, Bernice. Mais Bernice, et qui sort en tête ou avec combien de biodigesteurs pour commencer? Parce que la population, même si ce n'est pas Chantal, est vaste. OK. Oui, normalement, dans le projet, on a atteint 25 ménages. On a commencé à 25 ménages. On a installé le biodigesteur 25 ménages dans la commune Chantal. Est-ce que vous avez déjà un modèle de biodigesteur déjà? Oui, moi, j'ai un modèle, nous sommes capables de faire une vidéo. Moi, j'ai un prototype que j'ai fait auparavant dans la phase d'expérimentation. Et puis, j'ai un autre modèle en cours. Côté ma mettre pour mon lieu, dans la phase de commune. Et fabrication, ça l'a faite localement? Oui, l'a faite sur place, c'est une installation qu'on fait sur place avec des matériaux qu'on peut utiliser. Magnifique. Bonne chance, je pense que c'est une belle idée. Ok, j'étais 1 minute 43 secondes, si on a l'autre membre, j'ai une question. Sinon, on a passé avec prochain pitch. On mute Edly, s'il vous plaît. Edly pas connecté avec son du tout. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de parler. S'il est venu peut-être utiliser Cotoyer, mais il n'est pas capable de connecter. Venez. Très vite. OK. Hello. Okay. Question que je gagne pour Bénice, c'est qui j'en compte récupérer tout déchet ça que vous pouvez utiliser pour transformation. Pardon? Qui j'en compte récupérer tout déchet ça que vous pouvez utiliser pour transformation. Merci, madame Edley, pour la question. J'en que l'on peut faire une enquête dans la zone avant même que vous puissiez faire l'implémenter pour GA. Je vais détecter une zone de décharge. Côté ma récupérer les déchets, dans chaque ménage, nous avons une zone côté ma crie, une zone de cri. Ensuite, nous allons faire collecte, nous allons faire client pour nous détecter les déchets organiques, pour nous mettre à part, pour nous assembler, pour nous capable commencer à faire ménage, pour nous mettre dans la cuve. C'est dans zone de décharge, dans chaque carré. Ok, je vais arrêter 20 secondes. Ben, si pas d'autres questions, je vous remercie, Bernice, et nous souhaitons bonne chance. Qu'on y a, on met tout dans la salle pitch, hein, côté que nous allons permettre l'autre monde rentrer dans la salle pitch. Hein. Et c'est qui est-ce qui prochain monde qui va participer en dans la salle pitch là? Eh bien, c'est ma fée Noël Kounia, c'est Easy Work avec Santiana Sincère. Eh bien, Easy Work, c'est un autre participant dans le concours que nous avons demandé pour nous rentrer dans la salle pitch là pour être capable de venir présenter le business là dans exactement 3 minutes. Nous avons demandé pour nous installer. OK? Pour nous faire connaissance avec le prochain monde qui va le pitch. Qui est Jean-Ouye, Santiana? Bonjour. Je suis Santiana Sincère, étudiante en agronomie à l'URH. Le nom de mon entreprise est EasyWork. Vous savez, l'un des problèmes majeurs auxquels fait face la majorité des étudiants haïtiens est le manque d'accès à l'électricité. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'étais en première année, pour étudier, je devais me rendre dans un bar, un lieu qui n'était pas du tout approprié pour préparer un examen. Et en plus, je devais consommer pour au moins 50 gouttes. En fait, le déclic qui m'a donné l'idée de ce projet est une bagarre. Oui, une bagarre. Des hommes armés,
Les coups fusaient de partout, j'ai failli être blessée. Et le pire, j'ai raté l'examen. D'où l'idée de Easy Work, un espace sain et calme où les jeunes ont accès à l'électricité et à Internet pour étudier et travailler. Mon équipe est constituée de moi et d'une autre personne qui sera stable dans l'espace. Avec l'argent du prix Women Economy Challenge, nous allons acheter un conteneur que nous allons aménager avec des chaises, des tables, etc. Nous allons acheter et installer un système électrique à base d'énergie solaire, panneaux solaires, batteries, inverteurs et autres accessoires. En plus, nous allons payer un abonnement Internet. Nous visons comme clients non seulement les étudiants, mais aussi les professionnels et toute autre personne souhaitant avoir accès à nos services et produits. En plus d'un espace tranquille et sécurisé, nous proposons un ensemble de services tels que recharge, connexion Internet, lunch, boisson, amuse-cœur. Les frais d'accès à l'espace et nos services de recharge et connexion Internet généreront un revenu de 18 000 gourdes par mois. Nos services de restauration, lunch, boisson, amuse-cœur apporteront un revenu mensuel de 68 000 gourdes pour un total de 86 400 gourdes. Nos partenaires clés sont MEBSH et le Séminaire Collège de Maslow. EasyWork vise à apporter une réelle amélioration de la communauté. Donc, je ne vous invite pas à financer un projet, mais un pas vers le développement d'une communauté. Pour nous contacter, il suffit d'appeler au 40 98 83 04 ou le 34 92 76 78 ou par email santianasincere@commercialgmail.com. Merci. OK. Bravo, Ophélie, avant 3 minutes, vous avez été quelques secondes seulement. Eh bien, je vous demande pour membre jury de retourner pour être capable de poser des questions sur le projet WA et nous fait ça pendant 5 minutes. Membre jury, nous mettons retourner live pour nous capable de poser Santana. C'est un peu historique quand vous avez okay, tout le monde, tout le côté, jury a connecté sous Zoom et puis nous-mêmes, nous avons fait une journée sur live là. Je salue tout le monde qui est sur live là et tout le monde qui commence à voter. Pas oublier, changer pitcher pour nous capable de voter pour meilleur pitch là après que pitcher fini. Alors, même membre du jury, yo, si vous membre du jury qui a une question, nous avons 5 minutes. Marc. Ok, on va parler Linda. Ok. Santiana, merci pour Pichouan, mais ça ne m'a pas saisi. Vous parlez de Maslow, donc ça veut dire que c'est dans une campagne que vous Ok. Maintenant, est-ce que vous comprenez que c'est pour l'université, pour l'école, yo. Est-ce que l'espace ou limité à l'école bien spécifique? On l'a ouvert à toute l'école. Est-ce que l'espace ou limité à l'école bien spécifique dans la zone campagne parce qu'on n'est pas capable de recevoir tout le monde? Ou est-ce que l'a ouvert à tout le qui sa critère là? Comment on fait qu'on est pour camper parce qu'on n'est pas capable de recevoir tout le monde? Merci pour la question. Est-ce que ça n'est pas limité à une seule école dans la campagne? Pour tout étudiant, bien que. On a commencé avec un espace qui n'est pas capable de tout le monde, même dans ces projets, étant mis à l'échelle de tout le département, même pour tout le pays. OK. Deuxième question maintenant, parce que ça, c'est un espace de recherche, de travail. Vous parlez qu'on prend le vin de boisson. Est-ce que vous prenez le gain de boisson alcoolisée là-dedans tout? Non, pas du tout. Du tout pas. OK, ça, c'est parce que ça, c'est un espace de travail, donc il était important pour nous connaître ça. Parce que les temps qu'on cyber café, ça que vous voulez faire, il était très bon pour la zone là. Mais il faut que, comment qu'on pourra le faire pour gérer que je ne peux pas rentrer avec boisson alcoolisée dans l'espace là? Oui,
rentrer dans un système pour ça, parce que nous voulons créer un espace sain, tranquille, pour développement spirituel, esprit. Parce que depuis esprit en santé, corps en santé, éducation des jeunes noyaux est plus facile. Très bien. Donc, je voulais question ça parce que pour moi, même si c'est attirer l'attention sur ça seulement, donc pour ça, la question était importante pour moi. OK? Bonne chance. Alors, merci beaucoup. C'est bon, l'autre membre jury qui a une question? OK? Moulin? Oui, félicitations pour le projet. Par rapport avec, vous parlez mobile plus longtemps, mon temps pour produire le revenu et puis espace là. D'après chiffres de l'ONU, vous pensez que le bon patron a généré l'argent pour gérer les internet et puis maintenant cet espace là. Parce que faut une quantité d'outils qu'on connaît, faut une quantité de monde qui entrer et pour générer mon temps. Est-ce que vous pensez à ça et puis si vous pensez à ça, comment vous voulez? Oui, moi je pense à ça. Parce que je m'en fais calcul, je m'en fais pour 20 monde par jour, ou pour semaine, pour 5 jours par semaine, 20 monde. Après, vous êtes là, vous avez soit 40 monde. Je m'en fais calcul là pour ça. Parce que c'est pour ça que je m'en fais calcul là. Bon, bien, ok, merci. Mélissa, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Merci, Makale. Et merci, Santiana. C'est une idée très intéressante. Et je suis curieuse pour vos questions de connectivité. Je connais que Internet, c'est un problème de tous côtés. Mais surtout dans la zone éloignée. Qui ça ou planifier si vous avez un problème internet connectivité à qui est-ce que vous avez réfléchi sur backup qui ça va faire? Pardon, moi pas qui doit saisir question. Alors, s'il vous plaît. Il dit si vous avez pour qui ça a été planifié en termes de backup si vous n'avez pas de problème internet parce qu'on est zone éloignée. Alors, nous comptons mettre un ordinateur disponible avec connexion Internet. Si nous n'avons pas accès à Internet, nous avons un espace là, il fait recherche et travail. C'est ça, nous avons. OK. Nous restons seulement 20 secondes. Alors, nous n'avons pas pour l'autre question de jury. La première, si vous Santiana et Kouniala. N'a pas tant de sens en dessous. On va rejoindre l'autre monde. Et pas oublier, j'en ai dit, si on monde changer de picture pour capable de voter après qu'on finit de toute picture. Alors, on va passer à prochain monde qui va gagner pour le pitch. Qui c'est GTT avec Devwin Denozil. Donc, on va demander pour de nos îles pour les installer dans la salle pitchant et m'espérer que mon en bas live on a partagé live là n'a fait mon connait que fanatique de Vrinio supposé préparer pour yo capable venir chauffer pour Devwin et chauffer pour tout l'autre monde qui intéressé nous à travers concours ça et ben Devwin kounya là n'a installé ou pour 3 minutes côté que vous pour présenter business ou en page ou partie de vous. Bonjour tout le monde, bonjour Makale, bonjour. Je suis Devwin Denozil, étudiante finissante en sciences juridiques, diplômée en informatique biotique, fondatrice de GDP. Passionnée des plantes, de leur valeur thérapeutique et médicinale, j'ai toujours su comment soulager certaines maladies grâce à elle. Notre pays souffre des cas de diabète accélère, dans les quartiers défavorisés, les enfants souffrent de malnutrition. Et les femmes enceintes ont des capacités de se procurer une nourriture saine et bénéfique pour les nouveau-nés. Interpellés par cette situation, nous avons créé GTT, Global Tropical Transformation, entreprise située dans la ville des Cayes, spécialisée dans le domaine de transformation de feuilles de moringa en poudre.
Moringa est connue pour ses nombreux bienfaits, tant sur la santé que l'environnement. Les bienfaits les plus connus de Moringa figurent dans la teneur et la qualité de ses protéines, plantes antioxydantes, anticancérigènes, antidiabétiques, riches en vitamines A, E et C. Elle favorise la santé mentale, elle donne de l'énergie et de l'endurance. Plante fixatrice d'azote, habitat pour les abeilles, elle protège le sol. Avec l'apparition du COVID-19, nombreuses promotions circulent sur les médias pour les plantes médicinales. Il y a une étude qui nous laisse comprendre qu'en consommant le moringa, il renforce notre système immunitaire et par conséquent nous aide à combattre contre le COVID-19. C'est maintenant l'occasion d'investir dans l'augmentation de la production de moringa et de rendre les plantes médicinales accessibles en les transformant. Avec ce financement, nous allons nous procurer les matériels nécessaires et élargir nos services de JTT. Nous vendons le sachet à 200 gourdes et nous réalisons un bénéfice de 75 gourdes par sachet. La poudre de moringa est très bénéfique pour notre équipe. Notre équipe est formée de deux dénoncées fondatrices, Lince Romeski, cofondateur à Bonon, Sénat Souna ambassadrice, Joseph Zico, gestionnaire, Lince Carlins, technicien. Vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook, Instagram, Global Tropical Transformation Food Moringa. J'étudie le contre l'insécurité alimentaire, chers membres du jury. Luttons contre le diabète, luttons contre la malnutrition, luttons contre la mortalité infantile en faisant choix de j'étudie. Ainsi, on pourra espérer un avenir certain et une meilleure santé pour les générations futures. Merci Edwin, ou Feli en moins que 3 minutes. Bien t'intéressé toujours. Et bien, nous demandons à membres Julia pour vous reparler encore, qu'on y a là, pour nous capables de prendre 5 minutes pour nous poser question à Edwin. Alors, si vous avez une question pour Edwin, qui est-ce qui va aller en premier? Moi, on mieux que nous, nous sommes capables de poser des questions. Linda? OK. Devin, merci pour la présentation là. C'est un produit très, très efficace, effectivement, que vous voulez travailler. Mais maintenant, tellement de monde qui fait déjà transformation de moringa en poudre, et qui ça qu'on pourra le faire ou même pour joindre part de marché pour là? Nou ka di pou manche kayan, se yon manche ki viyaj. Anpil moun pou pou kon importans mou en gaye pou pou kon kontan di pou, se grase a avek nou men ki kouye pati pe nou, lè anche men pe napsye mou, anpil moun toujou a mande, sa ki mou en gaye, sa ki mou en gaye, sa ki mou en gaye. Koun dala nou pou mi anve potu ya pou pou moun okay. Pou okay, nou bakon men si genot moun. Nou pa okouran ke genot moun fèl, men manche okay la se yon manche ki viyaj, pour nous installer et pour nous OK, on a l'autre question, mais pas oublier de parler plus proche, micro, aller là, pour nous parler, OK? Venez plus près. Pour tout le monde qui va le pitcher, tout, venez plus près, micro. Linda, vous voulez faire une question de suivi ou bien Mélissa, vous avez posé une question? Ah, OK. Moi, j'ai juste à demander, est-ce que c'est dans la ville où elle a même lié? Oui, est-ce que l'on a. Et puis, vous avez un point de vente ou sinon distribué par le monde, la market? Non, nous pouvons distribuer par mon dans ma tête, mais nous avons un pile, nous avons un pile client qui c'est étudiant, et puis nous avons d'autres monde qui client également. Si vous gagnez, qui ça pourrait le permettre ou qui ça comme ça pourrait le permettre tout ça en plus? Avec comme ça, nous allons acheter matériel nécessaire, nos besoins pour avancement en entreprise là, et puis nous allons élargir service digital. OK. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Moulène, vous avez l'autre question? OK. Par rapport, je félicite pour Pichouan et puis pour le service qu'on a pour la communauté. La question qui est par rapport avec le dosage. Parce que des fois, nous avons posé ces questions, mais nous avons posé le dosage. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est facile que nous mettons en place? Ensuite, deuxième aspect, c'est en Haïti, nous connaissons plus fort pour le dosage.
problème saisonnier. Comment faire pour gérer? Premier aspect question, c'est que par rapport avec dosage, quantité, feuilles, comment gérer. Ensuite, deuxième aspect, c'est que le point est que il faut ça en Haïti au saisonnier. Travailler pour moringa, ensuite si les saisonniers même gens, comment on va gérer ça? Pour dosage là, on va prendre une à deux cuillères à café par jour. Et puis pour nous mettre moringa dans un côté qui va ni trop sec ni trop frais. C'est ça qui est bon pour conservation et y aller au-delà de 4 mois, 4 à 6 mois. Pour conservation. Ok, est-ce que vous avez l'autre question, Mélissa? Ah non, Edley, t'as une question. Edley, en mieux, t'as posé une question. Ok. Ma félicité Devouine pour présentation ça. Devouine, est-ce que vous êtes capable de parler nous? Peu de clients qui ont été identifiés, est-ce que vous êtes sûr que vous répondre avec problème que vous avez, qui solution que vous apportez pour vous? Est-ce que vous avez bien identifié le problème et qui solution que vous apportez pour vous? Posez une question pour moi, madame Dassin, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous pouvez parler de clients qui ont été identifiés pour problème et qui solution que vous apportez pour vous? Oui. C'est difficile pour un jeune organisien qui a la peau de l'eau de la maladie. Que ce soit il y a diabétique, il y a cancer, il y a un appétit, il y a un sommeil. Et c'est pour ça que nous venons avec tout le monde qui combat tout le monde. Ok, parce que je vais commenter qui était sous question, séance question-réponse. Ok, on était 30 secondes. On peut même pas qu'on a capable de prendre l'autre question encore à partir de là. On a félicité Edwin et pas oublier j'aime te dire nous songer toute picture et gon lien en dans live là pour les nous parler pour nous voter pour monde qui te fait meilleur picture. On ben on va passer avec prochain pour mettre libérer sale picture et prochain monde qui braler live kounya là pour lui présenter business li. C'est Ifi Biomed avec Sylvie Rimbaud qui a installé lui en dans salle pitchant. Il y a bien 3 minutes pour lui présenter nos business liens. Sylvie Rimbaud, la parole pour. Vous mettez commencer Sylvie Rimbaud. Pablier. Bonjour tout le monde, moi c'est Sylvie Rimbaud, technologiste médicale. Moi j'ai un bachelor degré dans le domaine de biologie médicale avec l'Université catholique de Lyon. Moi c'est professeur dans le domaine de biologie médicale. Moi c'est mon passionné de biologie médicale. Parce que l'ICSIE a guidé nos médecins dans bonne décision que les doivent prendre pour traiter un malade. Moi c'est directrice Ifi Biomed, qui c'est un centre de formation qui l'a depuis 2 ans. Côté nos bonnes formations pratiques à côté nos belles formations pratiques à étudiants postgradués et puis là ça aussi commence à travailler déjà. Au cas où il y a un problème, majorité l'école qui a formé jeunes dans la biologie médicale pas de espace à matériel pour étudiants pratiquer. C'est un coup dans ce cadre on a étudié chimie mais on pas une chance sur réaction chimique ça on est au laboratoire. Jeunes ça y a 95% c'est pas. Il est difficile pour la région de travailler et terminer. Faiblesse de formation, ça a fait. Majorité poste important dans le domaine, ça, c'est le monde qui sort dans leur département qui est occupé dans la ville. Dans les filiomètres, nous décidons pour des solutions à problème, ça. Nous équipons avec matériel pour faire une formation pratique, ça permet de gagner potentialité pour devenir plus compétitif sur le marché du travail, et en mesure de capable utile. C'est un très bel projet. Nous avons un membership à quelques écoles qui parlent de salles pratiques, à étudiants finissants et à silencieux qui déjà à travail. Côté que l'argent nous entre dans 4 membres à différentes formations que nous offrons, c'est payer formateur, acheter un tournant pour faire séance pratique et on partit pour l'investissement. À prime ça, pour le forêt, pour le film jeudi, nous voulons louer un espace plus grand, acheter équipement et augmenter le staff nous, on a l'idée de nous accueillir plus de monde dans la formation.
maladie COVID-19 là, c'est en évidence qui montre les nécessités pour que plus bon gens professionnels qui forment dans le domaine de l'oncologie médicale. Nous tous capables de constater, c'est examen laboratoire qui peut confirmer qu'on est un malade ou pas. C'est pour raison ça, dans les fibromènes, nous prenons une formation de jeunes professionnels qui peuvent avoir des compétences pour répondre à vos questions. C'est pour ça que nous avons un staff compétent, expérimenté, qui forme des techniques à l'étranger pour capable d'utiliser le jeune pilot. Nous évidemment jury à supporter le projet. C'est une façon de nous pas contribuer, les dames, pour capable aider les jeunes professionnels à revenir au pilot, de faire plus de capacité pour le travail. Nous avons contacté nos téléphones, c'est 36-46-46-29. Nous adressons ce route de défaite, les cailles haïtiennes. Merci. Ok. Merci pour Pichou. Ophélie, en moins que 3 minutes, t'es resté quelques secondes toujours côté qu'à profiter. Je vous remercie pour Pichou et j'espère que vous avez chauffé ou en bas live. Et n'oubliez pas, nous disons ça encore, mémorisez Pitch que nous avons pire parce que nous avons une possibilité pour nous voter et gagner un monde qui a sorti. Que li gen, que li pa gen prime concours, gen moun kap sorti avec sa nou rele le prix du public, moun que public la te pire men sou live la. Et moi gen plus que 100 moun sou live la, continue chauffer, partager li, bay mesdames sa yo possibilité pour plus moun nan monde la kapab wè. Et ben n'a passé dans 5 minutes question réponse avec Juria. N'a mandé pour Juria connecter tête li. Kounia, pou li kapab poser Edwin question. À partir de Kounia. Qui est-ce qui a commencé? Edley. La félicité, c'est Sylvie. Pour belle présentation, ça. Sylvie, est-ce que vous êtes capable de nous dire combien de codes vous avez ça à côté? Combien de codes vous avez ça à côté? Merci pour la question, madame Edley. Donc, vous avez ça, donc, moi, pas de. Ni qu'à côté plus que 10 000 dollars, parce que c'est en fonction de nous gagner en pile de mode, parce que c'est un problème majeur dans le pays, il y a en pile l'école dans le domaine de biologie médicale là, qui parle en salle pratique, en fonction de quantité étudiant que nous recevons, mais bien sûr que nous pouvons que nous recevons en pile. Donc, nous parlons, moi je parle dit que le projet a. Il a coûté plus que 10 000 dollars parce que c'est en fonction de la demande que nous avons. Nous n'avons pas un prix qui. Comment c'est qu'on va dire? Nous n'avons pas un prix qui fixe dans le budget. Nous, donc, c'est en fonction de la quantité et de la valeur. OK. OK, Mélissa? Merci Sylvie. Je voudrais bien plus de détails sur le modèle de business, comment le marché. Vous avez mentionné que vous avez un membership que vous avez vendu. Vous pouvez expliquer ça en plus de détails? Merci pour la question. Moi, je dis membership. Moi, je suis à l'école. Nous offrons cursus de formation que nous avons. Et puis, yo partage li avec étudiants que vous gagnez, et puis les étudiants les ont intéressés, puis nous, ils contactent nous, et puis nous payons le service que nous offrons. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions, Moulin? Question, moi, c'est que vous dites, comme que vous avez jeune homme qui s'est pris, ou a acheté, ou a payé profiteur, bail toutes dépenses qu'on a passé. Mais est-ce que, première à cette question, c'est est-ce qu'on reconnaît en tant qu'institution qui a fait travail ça? Deuxième aspect, c'est que, après 2 ans, 3 ans, comme moi, est-ce qu'on va obliger bon l'autre prix? Quoi que tu as fait pour être résilient, c'est comme ça? Je ne suis pas tellement cette question. OK, oui, ben me répéter le pour vous. Premièrement, est-ce que institution comme on dit travail déjà, est-ce que reconnu par entité l'État qui le reconnaît? Deuxième aspect. Pardon?
Oui, bien sûr, moi reconnu. Ma place va dans l'hôpital Immaculée de Conception. Non, on va parler de où, on va parler de l'institution. Ah, de l'institution. Non, nous ne pouvons pas faire des manches légales. Ok, deuxième aspect, comment faire? Comment faire? Nous sommes en route, c'est un processus, nous sommes en route, nous ne pouvons pas faire. Ok. Deuxième aspect, c'est comment on va faire pour être après, pour être résigné après 2 ans, pour bloquer l'institution là toujours. Est-ce que vous avez payé encore par mois? Comment? Non, il faut acheter un euro, nous ne payons pas module et ce n'est pas un trimestre que nous continuons. Nous avons de 25 étudiants. C'est ça que nous faisons. Nous sortions encore de 25 étudiants par trimestre. Donc, moi, je pense que toujours bien l'école, toujours bien étudiants. Je pense que c'est un projet qui est à venir. Ok, merci. Linda? Contingent un peu perdu parce que lui parlait de formation ou parlait de pratique. Donc ça veut dire que formation, ça veut dire où sont l'école qui pral former moun yo. Pratique, ça veut dire où on aspect côté moun qui dans l'autre école pral vinn faire pratique la caillou. Donc ça veut dire que on supposé gagner 2 volets et où on prix pour formation ou on prix pour moun qui vinn faire pratique. Donc mettez un petit lumière sur ça pour nous. Je me dis, Infibiomed, c'est un centre de formation intensive en biologie médicale. Fait que nous constatons dans la vie locale, la majorité de l'école dans le domaine de biologie médicale, là, il y a juste fait formation pour Timonio, formation. Mais il n'y a pas de salle pratique parce que c'est un métier pratique que lié. Parce que c'est sous le monde, c'est la vie du monde qui va l'amener, c'est la vie du monde qui va le voir. Donc, vous supposez être capable de pratiquer, vous supposez être capable de jouer, vous supposez être capable de nous conditionner pour être capable de pratiquer. C'est pratique qui va permettre de trouver une compétence. Donc, normalement, avant qu'on fasse pratique, il faut toujours faire une séance de formation. On ne peut pas directement entrer dans la pratique. Donc, il faut qu'on fasse une séance de formation. Et puis, après ça, on entre dans la pratique, on entre dans le milieu. Mémoriser petit côté pyramide et voter pour yo dans lien Google qui en bas n'a pas remettre un prix du public et n'a dit qui ça prix aller les nous arriver dans phase résultat. Jury toute bagarre en forme, nous va passer à prochain pitch, nous mettre libérer ça le pitch. Et prochain monde qui va entrer, ça fait ça rappeler me certain. On dit c'est là et salle là, tout le monde entrer dans salle là. L'on vient dans salle là et puis on vient présenter business soit et salle là c'est en dedans Hope for Haiti que lié pour monde qui absolument. Eh bien, nous allons recevoir dernier pitch aujourd'hui, qui c'est Dagi Shirl, qui va venir présenter nos business, qui a installé actuellement en dans salle pitch là pour lui venir. Nous allons voir lui dans l'air. Kounia, Dagi Shirl, bonjour, présentez-nous business ou en 3 minutes. La parole pour vous. Bonjour. Tout le monde, moi c'est Dagi Shirl. Moi y a plein d'informatifs. Moi quand il y a une famille côté papa et maman me levait pour la police. C'est comme si au plat était déjà tracé. Ça fait plus que une année. Passion pour entrepreneuriat te permet de me convaincre financière qui te fait une étude d'odontologie pour nous investir toute sa vie dans un petit stade qui c'est Imagural. Moi t'ai remarqué dans le département Sida, pas de côté pour dentiste à chimie matérielle à fournir pour le travail, ni côté pour patient à faire radiographie dentaire. C'est pour ça que j'ai fait mon mission, qui c'est pour les professionnels qui sont dans le domaine du pot d'intérieur, bonjour à quelqu'un la Trinity pour le travail, et puis mettre des services pathographiques d'intérieur pour les patients qui ont besoin. Pour arriver à accomplir la mission, j'ai décidé de mettre sous pied une entreprise là, dans le local, qui est capable de couvrir tous les besoins dentistes et patients dans le département sud là. Pour ne pas obliger mon téléphone chaque fois que j'ai besoin de matériel à la radiographie d'intérieur.
Nous offrons docteur le bon matériel indispensable pour clinique, tant pour les outils pour faire consultation, restauration, extraction et la clé. Là où vous voyez patient faire radiographie, nous éduquons sur qui sont pour le poste bouche. Nous sommes entreprise innovante, nous devons prix, nous créons un emploi et puis nous contribuer pour décentraliser le pays. Dans souci pour améliorer la santé du corps dentaire le plus monde possible, nous organisons une clinique mobile chaque 6 mois. L'idée est temps pour venir nous entrer et servir ça. Et c'est un secteur qui est en pleine croissance parce que de jour en jour, il y a plus de dentistes dans le département. De nos jours, il y a des remplis de radiographies dentaires. Pendant que les années nous faisons à ce service-là, nous faisons 360 radiographies. En moyenne, 30 par mois. Pour moi, avril qui se passe là, nous faisons 50. Et puis, nous avons plus que 20 dentistes à l'organisation fidèle pour toujours acheter un pile pour nous amener régulièrement. Parmi eux, nous fiers qu'on nous mentionne au projet. Entreprise nous en jeunes. Grâce à service, à profil généré, nous vivons de vie. Et puis, nous innovons des services de temps en temps. Les nous avons porté premier client, nous parlons d'acheter matériel pour nous service pendant 6 mois. À retomber économique, nous parlons d'acheter plus de produits toujours pour agrandir le stock. Nous parlons d'améliorer le service de livraison, tel que nous avons acheté de nouveaux produits. Dans un an, nous avons acheté un autre service radiographique que nous avons des copines qui relèvent par nos familles. Puis, pour concurrents, c'est le dépôt qui établit n'importe quel reste. Entreprise, nous avons monté à 4 personnes qui comptent ça à faire. Nous avons des docteurs et nous avons des dentistes, c'est lui qui est responsable technique. Jacques Nanonson est étudiant en pharmacologie, il est responsable marketing. Ronald Nanonson, c'est avocat, il est responsable commercial. Et moi-même, David Chachal, moi, c'est fondatrice de Majorale. Pour contact, il est 942-75-67-01. Merci pour l'attention de nous prêter. Moi, je souhaite Julia choisir. Parce que, après prendre le matériel, après la géographie d'hôtel, mission, c'est faire du monde nation. D'ailleurs, si qualité de service sont pas, nous allons compter pour vous faire lire en 3 minutes, quelques secondes, mais nous en forme. Et c'était le dernier pitch là, qu'on a nous temps des questions juriens et pas oublier, les gens qui en bas la vie, nous capables de nous voulons gagner le prix du public là avec les gens qui en bas. Qu'on a un amendement de membres juriens dans 5 minutes, poser toutes questions qu'il voulait. Si on a une question, levez main pour me capable d'ajuster. OK, Linda. Pichouan, très bien. Il m'a bien passé. Merci pour le projet là, intéressant. Mais Dagisha, nous connaissons en province, ce qui est plus difficile pour nous, c'est d'être compétitif avec Prio. Et qui ça vous fait chaque jour pour garder si vous vraiment compétitif sur le marché, qui pas obligé, malgré ouvrir business sur moi et que vous trouvez que vous avez pas de prince quand même pour l'acheter? Est-ce que vous avez une démarche comme ça que vous faites? Merci, Madame Lisa. C'est une très belle question. Qui ça nous fait? C'est que nous essayons chercher côté que nous pas acheter à nos prix. Que les non-dominants, département par mois, pour nous travailler dans tissu avec un prix dérisoire. Juste nous-mêmes pour taquer des protocoles et converser. Deuxième question, bien vite. Est-ce qu'on a dit combien de clients ont déjà gagné comme dentiste? Plus ou moins? Nous avons plus que 20 dentistes avec des organisations qui sont fidèles avec nous. Et parmi eux, nous faisons ce dioto que nous mentionnons pour croire ici. OK, magnifique. Merci. Hein? Merci. Bonne chance. Merci, Alain. Prochaine question, c'est qui est-ce? Mélissa ou Molène? Ok. Oh, Edley. On met à l'Edley. Ok. Ma félicité, Dagisha. Dagisha, est-ce que vous êtes capable de nous l'agence ça? Comment vous faites le business ou en grandi? Je sais que vous essayez au Saint-Pierre. Qui j'en ai pas le contribué pour l'avancement, business, et la deuxième question à tout le monde, qui est-ce qui est le principal fournisseur ou yo? Et je vois que par le point de question, parce que Internet a un petit genre coupé. L'imande, qui est-ce qui est le principal fournisseur ou, et qui ça, qui j'en encore gros pour Haïti à Balédo Grandi? Qui est-ce qui est le fournisseur? Qui est-ce qui est le principal fournisseur? Eh bien, fournisseur, c'est nous acheter
dans des endroits différents. Et ceci, comme vous pouvez ici parler en noir, nous pas lâcher matériel pour le service pendant 6 mois. Après, combien économiquement, comme on dit, nous pas lâcher plus de produits pour agrandir le stock, non? Nous pas améliorer le service de livraison. Lorsqu'on achète des produits, nous pas ajouter un service radiographique que nous demandons un peu là au cas qui relève par nos amis. OK. Bon, l'autre question, qui est Mélissa? Oui, merci. Et nous avons aimé connaître ces clients, nous, c'est qui monde? En général, c'est qui est ce client, nous? Pour clients, nous, en général, c'est dentiste, nous, avec patient, nous. Patient, nous, c'est qui? C'est moi qui est dans la zone ou bien c'est moi qui vient de l'autre côté? Étant donné que la clinique nous c'est une entreprise innovante, pas de gens bien et service radiographie dans le cas. Donc, si on ne pas de gens côté, les que au bon patient pour voir faire radiographie. Les que pour acheter matériel, vous êtes obligé de monter pour Port-au-Prince juste pour être acheter matériel. Dans la condition, ça, nous venons faire toute analyse à eux, nous venons établir clinique par nous, qui c'est image orale. Nous venons mettre de façon juste pour nous faciliter les dentistes à passer à eux pour jouer le bon service dans le département par eux, pour ne pas obligé de déplacer à chercher ailleurs. OK. Dernière question, Moulène. Vous avez une dernière question? Non, il n'y a pas de question. Attends, OK. Eh bien, retirez 56 secondes, c'est une dernière question. Eh bien, sinon, c'était le dernier pitch qui était pour aujourd'hui. Et mes amis, c'est comme ça. Je vous remercie tout le monde du jury qui était disponible, qui était météo disponible. Et c'est le moment qu'on a pour nous commencer à voter. Qui est-ce qui te fait plus bon pitch là? Et qu'on a... Pendant que nous allons passer dans la prochaine étape, qui c'est le jury Abral Kounyala à rentrer dans la salle que nous avons établie pour vous à côté pour y aller délibérer, nous avons demandé à tout le monde du jury de fermer la vidéo pour nous parler qui s'est dit, pour nous parler qui nous avons délibéré. Mais vraiment, je voulais féliciter tous les participants, toutes mesdames qui ont participé dans le concours. Tout le monde qui t'a appliqué, et moi vraiment espérer que tout le monde qui a regardé chose ça sur internet a comprendre que c'est possible et que chaque grand monde qui pensait que un corona t'a empêché que un concours qu'on ça fait, non, nous vraiment bravé le danger et que grand monde peut-être au moins 10 différents côtés tout a intervenu là. Nous ramener jury, nous ramener participants, nous ramener tout le monde qui était capable. M'a ba nous temps pour nous voter. Et pendant qu'on a voté, on va préparer nous pour la prochaine étape, qui c'est une présentation que nous allons gagner, côté que nous allons recevoir Shaina Silva, qui c'est fondatrice de She Builds, qui va faire une conférence avec nous pendant que le jury va délibérer. Pas oublier, nous gagnons jusqu'à dernière seconde pour nous annoncer qui est ce qui gagne prix du public. Continuez à voter, partagez le lien, votez. Et moun ki bagay prix du public n'a pas annoncé li après. Et ben m'bral fait manœuvre technique yo là pour nous capable recevoir Shaina qui branché sous live là qui bral rentrer directement en dans salle là pour li capable et faire présentation ça avec nous. Et Shaina est-ce que vous entrez en dans salle? Est-ce que vous avec nous? Bon, moi. OK, Shaina rentre en dans salle. Et Shaina, vous capable de mute tout et peut-être faire mon yo. Well. Nous finissons avec salle Pitcha Kounia. Bonjour, Shaina Silva! Qui j'en ai? Est-ce que son ou activé? Nous vraiment, nous pouvons entendre, Shaina?
est-ce que ou avec nous, Chaïna? Bon, on mute tout. Bonjour, Chaïna. Hey! Nous comptons gagner. Like, what's up? Qui côté où est là? Right now, moi, Washington DC. Ma sheltering en place, ma prête sous place à la maison à Kaifami moi. Mais ma retourné San Francisco mardi. À la belle. Mais par contre, ça va passer de ça que ça te fait là. Moun qui au Cap, moun qui Port-au-Prince, ou même qui Washington, jury, pitch. Dis-moi, ça va passer de ça que ça te fait là. Franchement, son bagage extraordinaire que nous avons fait là, que nous avons vécu aujourd'hui. Hein, parce que nous montrer que n'importe quoi que ce soit la situation que nous avons vécu là, nous avons joué une façon pour manœuvrer, pour faire bagage arriver, faire bagage. Et passer quand même. Son activité que je suis tellement fier de participer là-dedans aujourd'hui, moi que Banja voyait monter, Chocarella voyait monter, Hope for Haiti a mis des plateformes ça sur place, franchement, et chapeau bas à tout le monde qui participe dans ça. Very good. Et Chaïna, est-ce que vous avez un petit peu sérieux pour nous aujourd'hui, pour partager avec le public là, pendant que vous avez voté pour le prix du public? Par contre, vous avez un petit feedback pour mesdames, ou vous avez toujours partagé un petit feedback pour mesdames, et peut-être faire une présentation de qui s'agit Billy et qui travaille qu'a fait pour qu'un bel public qui live là entertain et puis au capable apprendre un bagage en plus je dis au capable partager écran aussi vous voulez et en nous partager à Mounio. OK, et partager sur écran jusqu'à ce le son que moi partager à travers expérience moi. Et, mais avant de commencer avec ça, je t'ai aimé premièrement que nous battons bravo pour tout monsieur qui engagé dans l'initiative ça, parce que l'important pour que nous voyons que c'est pas femme seulement qui a supporté l'autre femme, que les garçons qui a supporté femme tout, et que à la fin c'est pas fille contre garçon, mais plutôt que tout le monde, quel que soit sexe ou religion ou éducation ou, que ou a gagné place pour jouer un succès en Haïti et dans le monde. Donc, d'ailleurs, mes bat bravo pour les Marc Alain, pour les Karel et pour les tout monde, tout garçon qui impliqué et dans création une plateforme qui a élevé et la cause de la femme. Donc, merci pour ça. Femme entrepreneur haïtien, moi tellement fière de nous. Franchement, Bernice, fondatrice Cosmo Solution, Santiana, fondatrice Easy Work, Sylvie, fondatrice IFI Biomed, Dagi Shore, fondatrice Image Orale, Davwin, fondatrice Global Tropical Transformation. Bat bravo pour mesdames Sayo parce que franchement, li prend en pile tenacité pour monter une entreprise, surtout dans un environnement précaire comme tout Haïti. Et mesdames Sayo are doing the do. So, bat bravo pour nous. Et moi ka dit que après et petit pitch ça que nous fait moi réaliser que talent pays ça et pays d'Haïti nous vraiment gagne un petit travail pour nous faire pour nous montrer le reste du monde et combien haïtiens et qui existent en Haïti qui a fait des bagages extraordinaires nous pas fait li assez et image que nous gagne en Haïti à travers le monde il pas toujours positif. Mais à travers entrepreneurs et qui viennent faire pitch ça jodi a, nous voyons que pays ça a gagné un pile potentiel, un pile talent et que le reste du monde méritait qu'on ait ça. Donc, mesdames, c'est pas n'importe qui moun nou ye, et parce que ou fait un choix vin entrepreneur, c'est pas n'importe qui business woman ou ye. Ou c'est yon leader, yon gestionnaire, yon actionnaire et ou décide créer yon solution pour yon problème qui existe dans marché a. Et c'est grâce à vous que l'économie a avancé. Songez ça. Mais en vérité, c'est pas facile pour bâtir une entreprise. Il demande un pile courage, un pile détermination et surtout un pile adaptabilité. Nous avons ça avec la pandémie corona qui force tout business réimaginer tête yo. Et je dis à la vive gens technologie force nous réadapter tête nous à qui gens nous fait une compétition pitch en ligne. Mais si moi qui a quitté nous avec une seule petite leçon jodi a, c'est qui gens nous ca renforcer caractéristique adaptabilité ça qui plus important jodi a que quoi que ce soit à jamais. Donc qui ça qui adaptabilité, qui ça veut dire? Adaptabilité c'est capacité ou gagner
pour ajuster tête ou à n'importe quelle situation qui présentait devant. OK? Là moi t'ai commencé She Builds, li pat rele She Builds. Au fait, She Builds vin créé par accident pendant que moi t'ap travay sou yon lot initiative. M'ap raconte nou histoire. Donc en 2018, président États-Unis te fait un commentaire négatif sur Haïti. Moi pas d'accord avec commentaire ça. Donc moi mettais sous place une initiative pour haïtiens en Haïti et partout dans le monde qui prend action et montrer le monde entier que nous pas un shithole country. Que nous te gain talent, que nous gain talent qui gain une vision pour Haïti. OK? Donc c'était une initiative activiste artistique et pour tout haïtien. Majorité moun ki leve men yo pou patisipe nan inisiatif sa, se te fom haïtien. OK? E se a travèr inisiatif sa ke fom yo, yo fèm remark lan, ke yo te telman kontan renkontre yon lot, kolabore avèk yon lot, pataje resous avèk yon lot, e ke grasa inisiatif sa yo vin dekouvri haïtien an Haiti, a New York, a Miami, a Dubai, a San Francisco, et que yo pa jam gen capacité ça avant pour yo connecter avec un réseau de haïtiens autour du monde comme ça. Et puis yo mande Chaina ki le wap organize un événement pour que nous tout ka vin rencontrer en personne, collaborer plus, rencontrer l'autre monde plus monde. M di madame, pa gen intention pour moi organiser un événement. Ti plateforme que moi créé, c'était vraiment pour répondre à président des États-Unis qui fait un commentaire que m pas d'accord avec pour nous montrer que Haïti pi bien passé ça lui-même l'a décrit. Et mesdames, yo dit non. C'est pas possible parce que ça créé là, ça gens connecté nous là, nous pas jamais gagné ça avant. Et c'est pas là pour rester avec initiative. OK? Donc en vérité malgré que moi t'ai commencé initiative ça en tant que un projet activiste artistique pour montrer vision que haïtien gagne pour Haïti, moi pas vraiment créé li pour femme seulement et pour femme connectée avec une autre. Mais moi réalisé à travers initiative ça que moi vinn face avec un gros problème dans communauté noire. Que femme haïtien pas bien intégré dans écosystème entrepreneurial là, que nous pas connecté une autre, que en pile dans nous pas gain accès à information important pour améliorer business nous, pour joindre partenariat, pour joindre financement et surtout pour pénétrer marché international là. Donc moi vinn adapter approche moi pour répondre à besoin ça qui vinn présenter devant moi. Et moi créé She Builds qui jodi a fait c'est une plateforme qui gagne 20 chapitres à travers 4 continents avec plus de 3000 membres entrepreneurs haïtiennes autour du monde. Et tout ça en moins d'un an. OK? Donc songez adaptabilité dans approche nous. Parce que ça a commencé avec client, si conditions ont changé, si environnement a changé, si marché a changé, faut qu'a adapter, écouter tout ça qui a passé dans l'environnement autour de vous, écouter client ou écouter environnement pour qu'a adapter business ou à tout changement qui a passé autour de vous. OK? Deuxième exemple que me va bail. Anessa nous était supposé mettre sous place deuxième édition She Builds the Future Festival, qui c'est un gros festival que nous mettait sur place pour que toute haïtienne autour du monde, que vous soyez à Dubaï, San Francisco, New York, Miami, Washington, Baltimore, Montréal, que nous toutes venions rencontrer en Haïti pour célébrer culture haïtienne, pour célébrer entrepreneuriat qui a fait un changement dans le monde, pour célébrer nous-mêmes en tant que femmes haïtiennes qui a fait un bail positif dans le pays et à travers le monde. Malheureusement, à cause de Corona, nous pas qu'à faire festival ça en personne en Haïti. OK? Donc qui ça nous décider? Nous décider que comme nous pas qu'à rassembler tout monde ça yo en personne à cause de Corona, nous qu'à quand même rassembler tout monde en ligne pour participer quand même
et créer une expérience côté tout le monde senti connecté une autre. OK? Donc année ça, festival nous a fait entièrement en ligne et n'a continué et proposer mettre sur place et outils ça pour que tout le monde ca senti yo célébrer culture haïtienne et échanger avec l'union. Ça c'est adaptabilité dans approche nous. OK? Donc m'ta remé faire un petit clôture de et caractéristique adaptabilité ça avec deux ou trois bagages que nous ta doit réfléchir sous li les nous les a réfléchir sur adaptabilité en tant que businesswoman. OK? Premier bagage pour ta vraiment considérer c'est industrie que on travaille la donne. OK? Industrie a changé chaque jour surtout jodi a grâce à technologie. Industrie a pas gen même figure que te gen il y a 10 ans. Li pas gen même figure que te gen il y a 5 ans et même aujourd'hui avec yon pandémie, industrie a pas gen même figure qu'il y a il y a 5 mois. OK? Donc là on réfléchit sur adaptabilité, réfléchit sur industrie que on travaille là-dedans, faire recherche pour voir qui gen industrie a changé parce que si ou nan industrie événementielle, bagay yo changé au cours de la nuit. Et j'en te compte faire événement avant il y a 5 mois, 3 mois, 2 mois, c'est pas même façon qu'on pourra le faire événement il y a 6 mois de cela, 1 an de cela, 5 ans de cela. Donc faire recherche sur industrie que on travaille là. Gens ou adapter à changement ça. OK? Deuxième point, c'est adaptabilité avec client. Jodi a client qui a un pile pouvoir sur internet. OK, nous gen pile pouvoir. Yo ka fè commentaire sou pajou, yo ka ekri blog sou, yo ka fè tout série de bagay pou commenter sou business sou, sou produit que wap et servi yo, sou service que wap bay yo. Gen an pile bagay sou internet jodi a ki fè que si ou pa servi client ou bien, yo ka pale ou mal et li ka fè tout business sou crashé. OK? Ça c'est premier point. Deuxième bagay sou client c'est que gou yo ap changer de jour en jour. OK? Avec réseaux sociaux yo, yo gen accès à un pile option autour du monde accessible à n'importe quel moment. OK? Donc si ou observe yon client et ou pa konnen ki jan gou yo ap changer de jour en jour, eh ben ou pral perdre client ça. Et imaginez ou ko perdu yon client jodi a, 5 clients demain, 20 clients après demain et puis dans un an ou pas gen client encore. Pour qui ça? Parce que ou pas faire recherche sur qui gens goût client ça a changé de jour en jour et qui gens besoin client ça a changé de jour en jour. Surtout jodi a client besoin bagay rapido presto, si ou même ou pas mettre sur place des procédures pour servir client ça pi bien, ou pral perdre client ça. Donc adaptabilité avec clientèle. OK? Donc moi dit industrie et là moi dit clientèle. Troisième nan qui c'est vraiment plus par rapport à processus qu'on mettait sous place. Moi relé li technologie parce que technologie nous connaît en tant que software, hardware, mais vraiment technologie et li vinn mettre sous place grâce à un concept que relé innovation. Pour garder qui gens ka innover yon processus en mettant sur place des matériels scientifiques qui ka automatiser certains processus. OK? Si ou pa garder qui gens ou mettre processus sous place pour business ou jodi a, ça veut dire qui gens ou créer produit ou qui gens ou livrer produit ou qui gens ou accéder marché an, qui gens ou distribuer tout ça wap fè, hein, que ce soit un produit ou bien un service, si ou pa gen processus en place pour ça que ou konnen bien, eh bien la très difficile pour ou ka adapter tête ou à des conditions que ou pa genyen contrôle sou yo. OK? Donc évaluer processus nan business ou, wè ki jan ou ka améliorer processus sa yo. OK? Et nan amélioration sa, ou ka wè ki jan ou ka automatiser certains dans processus ça yo et dans automatisation ça c'est là ça ou vinn commencer mettre technologie. OK?
Mbral ba nou un exemple comment moi-même moi fait London Shebuilds. Moi te vle créer yon réseau international pour Shebuilds côté toute femme haïtienne et haïtien en général te ka connecter yon l'autre. Mais moi vive aux États-Unis à San Francisco. Comment m'pral faire connecter haïtien New York avec haïtien Dubaï, avec haïtien en Chine, avec haïtien en Amérique latine? Comment m'ka faire ça? M'pa vivre dans pays ça yo, m'pa dans pays ça yo et malgré si m'konnen une ou deux personnes dans pays ça yo. Mais ça moi fait pour moi ka mettre en place un processus pour répliquer ça moi créé en San Francisco et à Washington et à Miami. C'est yon playbook. Playbook ça a une liste de mais qui j'en moi fait tout ça m'a fait. Nan ville 1, ville 2, ville 3. Grâce à playbook ça qui c'est un set de processus, moi répliquer même processus ça dans chaque ville côté moi te veux lancer un chapitre Shebuilds. OK? Donc ça veut dire que jodi a avec 20 chapitres à travers 4 continents, tout chapitre gen même playbook ça pour yo connait qui gens yo ka gérer un chapitre Shebuilds nan propre ville yo et c'est pas moi même k'ap gérer chapitre ça pour yo, c'est yo même leader Shebuilds nan ville ça k'ap gérer chapitre là pour compte li et que moi même moi vinn yon liaison entre tout chapitre yo à travers le monde. Processus. Kounya la, lèm gade processus lan, moi ki jan ap fè bay lan pou ka scale à travers le monde, moi vinn réaliser que moi te ka insérer yon technologie pour automatiser processus ça yo. Pour que c'est pas moi-même qui à chaque fois m'a mettre chapitre sous place. Donc en mettant sur place une technologie, je dis à c'est une technologie de communication que nous mettez sous place pour connecter tout le monde, nous vinn automatiser tout processus nous et chaque fois gagner un changement dans environnement, dans économie, nous ca adapter tête nous très vite. Parce que nous connaissons le processus là, nous gagnons une technologie qui permet nous voir très vite qui problème lié et qui je nous adapter tête nous à changement ça qui présente devant nous. OK? Donc, les m'a parlé de adaptabilité qui c'est une caractéristique très importante pour entrepreneur surtout jodi a. On dit adaptabilité dans industrie que on travaille là-dedans ni. Adaptabilité avec client pour connaître très bien qui besoin yo et qui jan gou yo a changé et adaptabilité dans processus yo jusqu'au point que on ka intégrer technologie pour améliorer ça va faire. OK? Donc si nous ka changer trois bagay ça yo, n'a bien force nan capacité adapter n'importe qui situation que nous subi surtout dans des situations précaires dans des pays tant kou Haïti côté gen des problèmes naturels, politiques, social que li mande que ou adapter souvent. OK? Donc, m pral la gen yon dernier message et yon dernier petit mot, m vle di et avant que moi remette parole lan à Marc Alain, c'est que avant tout, nous c'est des humains. OK? Nous c'est entrepreneurs, nous c'est leaders, mais avant tout, ou c'est yon humain. Et c'est un bagage que entrepreneurs oublient souvent parce que nous remet nous passionnés de ça n'a travail sous l'IA, nous remet projet noir, nous voulons business nous aller loin, mais nous oublions que nous c'est des humains. Qui veut dire que ou gain émotion, qui veut dire que ou gain faiblesse. OK? Et avec tout ça, sous pas assurer tête que ou toujours que ou prend soin de tête ou pas ca monter business ou et faire aller plus loin. OK? Sou pa gen capacité pour prendre soin de tête ou en même temps prendre soin de business ou pa gen capacité pour aller plus loin. Parce que gen yon énergie que ou ap dégager là ou c'est un leader de yon business, moun ka senti li. Que ce soit un partenaire, investisseur, client, yo senti énergie ça. Et si ou pa en bonne forme, ou ka mette business ou à risque d'échec. OK? Et surtout dans pandémie que n'a vive jodi a, gen un pile entrepreneur qui a couru toujours, yo pa jam pran souf. Prend yon ti souf.
Réfléchi sou business ou an, ki jan ap jere l. Réfléchi sou industri ou an, jan te di ou, client ou an, processus ou yo. Mais surtout réfléchi sou tête ou. Est-ce que vous senti ou bien? Est-ce que vous en bonne santé? Est-ce que vous connecté avec famille ou? Est-ce que vous connecté avec zami ou? Parce que c'est tout ça yo, ingrédient ça yo ki pral ba ou force pou se, pou ka un bon leader nan communauté a et un bon businesswoman à travers le monde et en Haïti. OK? Donc pi gwo leçon à part de adaptabilité, c'est prendre soin de tête nous. Surtout dans situation que n'a vive jodi a qui c'est pandémie a. Côté en pile monde ressenti en pile bagarre li frappe nous toutes dans différentes façons, prends soin de tête tout. Merci. M'a pour passer à Marc Alain. Wow! Shaina, thank you so much. Merci vraiment beaucoup. M'a regarder mon en bas live là tout cap réagir, ça t'est vraiment ou fait speech ou vraiment inspirant pour moun yo. Capable comme si c'est pas seulement à faire de leçons, sont à faire de prendre soin tête ou sont à faire de qui est souillé. Merci d'être que ou t'es ou ba nous histoire she builds tout bagaille ça yo. That was very very interesting. Merci tout le monde qui branché et moi public là était actif sur live là. Kounya question que pour ou Shaina, qui est ou pensez qui gagne parce que résultat yo semblait pareil. Ça très difficile premièrement parce que c'est 5 monde et c'est 5 femmes qui vraiment a frappé et qui a créé des solutions qui très important très utile pour économie hein? Juste il pas juste Bernice, Santiana, Sylvie, Dagisha, Davin, nous toutes gon pitch exceptionnel. Donc li pral très difficile franchement. Si nous joine 3 monde qui gagnant, son bar est très difficile. Donc m'pa ta renmen chita nan place jury san ka fè décision parce que son bar est très difficile. OK. Eh ben moi-même moi wè moun yo ki t'ap voté, prix du public yo fini. M'pral passer information m'ap commencé pa bay prix du public. Mais avant moi et ou même qui a sou pensé te ka gagner? M'pa ka parler. MC, pas bon ça pour me dire. Ça, ça me capable de dire, c'est que le résultat du public yo là, upload. Nous avons combien de monde voté? Gagné 396 monde. Wow! Qui voté. Est-ce que on a voté plusieurs fois? Et là, nous avons un système côté que tout ça qui doublon yo, nous retire. Ok. C'est un fichier Google. Et qui automatiquement génère un pie chart et puis depuis on monte voté plusieurs fois il dit que gain email qui veut paraître donc tout le monde okay. A fait des tweets qui c'était rabais ça nous ouais non sur so, ce traitement là ouais un business qui ont tige ensemble bange dans groupe famio et un coworking ça so, pensez de ça moi j'aime trouver que ça va être intéressant que modèle que ça n'a fait à inspirer mon en pile côté qui voulait faire même bagarre là mais c'est un business qui est difficile. Il y a un pile coup qui attaché avec lui et nous espérer que mon yo capable gérer question question et coup qui attribué avec lui. Yeah. Et selon ça yo dit, m'pa ka faire jugement, me préférer quitter public à parler, moi pas t'involve dans discussion que t'as fait avec jury yo, m'tap tande yo k'ap parler. Mais moi pas rentrer bouche moi au côté chaque fois me paraît me dire est-ce que nous fini parce que moi MC me sous régie et toute bagaille ça yo gérer toute bagaille behind the scenes ça gérer ouais yo bon souffle normalement c'est 402 monde qui t'ai voté waouh et 6 doublons OK so monde qui fait doublon merci nous gérer ça yo passionné et nous va laguer prix du public Shaina merci pour ton m'a essayé faire ajustement yo là pour moi si me capable bien gérer tout bagage j'aime vle pour me capable annoncer parce que c'est pas juste dimbral juste dimoun yo qui est-ce qui gagne moi vle pour yo ouais et Pablo etc. Mais avant nous arriver dans phase ça n'a remercier ou Shaina et n'a tourner et avec et tout le monde, Christina, Julia, ou mettre faire mes vidéos pour Shaina, merci. M'ta dit un dernier bagage, franchement, avant m'aller.
C'est un gros merci à Christina Baptiste qui montre un leadership exceptionnel pour mettre le programme ça sur place. Et merci Christina et merci pour tout ça fait aussi à travers partenariat She Builds là. Nous apprécions en pile. Merci Christina, merci Hope for Haiti. Ciao. Ciao, merci en pile Chaina. Et je suis vraiment content que nous arrivions à réaliser ça, que nous avons Chaina qui était capable de présent avec nous et de Washington DC, etc. Et bon, est-ce que nous parions jury pour nous monter? Après que nous finissons les résultats, le tout le monde finit célébré, nous prenons CEO She Builds, CEO Hope for Haiti, pardon, qui vient partager avec nous quelques moments. Est-ce que nous voulons prendre Skyler Kounia ou bien prendre Skyler après les résultats? Qui est le plus bon? Skyler, qui est Jean-Ouye? How are you? Etc. Est-ce que tu as dit Skyler? Bienvenue, Skyler, qui c'est CEO. Merci. Ça passe. Nous en forme, qui j'en ai, Skyler. How are you? Welcome. Voilà. Vraiment, merci. Et merci, Marc-Alain. Merci, Christina. Félicitations à tous les participants. Vraiment. Moi-même, c'est Skyler Badnock. Moi, chef d'équipe, CEO Hope for Haiti. Et moi, très fier pour moi, chaque participant. Et Wembley dit vraiment complément. Et aussi, et spécifiquement, moins fier de vous tous parce que vous ne pouvez pas permettre COVID-19 suspend activité ou. Et ça, c'est mentalité Hope for Haiti. C'est vrai? Ça, c'est mentalité Hope for Haiti. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que nous te permettre dans 2010 tremblement de terre suspend activité nous? Non. Et est-ce que dans 2016, nous te permettons cyclone Mathieu suspend travail nous? Non. Et l'année dernière, est-ce que nous te permettons pays local suspend travail nous? Non. Et Kounia, ça, est-ce que nous n'a permettre COVID-19 suspend travail nous? Non. Et nous ici là aujourd'hui pour supporter nous-mêmes. Nous ici là aujourd'hui pour supporter l'économie Haïti. Et nous pas faire la telle chaque jour. Nous pas supporter où? Nous pas supporter famille, nous pas supporter femme, yo, nous pas supporter entrepreneur. Et moi, je l'ai dit, nous pouvons faire ça chaque jour. Ça, c'est mentalité reprédie. Donc, vraiment, Marc-Alain, Christina, Jouy, tout le monde, merci et félicitations, bon travail. Wow, Skyler, je ne peux pas consulter tout le créole, ça, sous, non? Ah, wow. Non, ça, c'est ma débrouille, ma performance. Thank you, merci un peu. C'est pour nous, c'est très important que vous preniez le temps. Ou c'est si Hope for Haiti ou gen plusieurs autres départements qui ont géré ou gen plusieurs autres bagages à faire que ont pris le temps ça pour capable mettre au disponible pour nous. Vraiment, ça a été fait mon pile plaisir. Merci un pile, Skyler. Merci, Bakayan. Bon travail. Merci. Vous mettez faire mes vidéos. Ou bon, divers vous voyez en last minute fight shot pour moi, mes amis. Divers m'a obligé. Bon, moi, si nous capable. Qui est-ce nous pensez qui t'a gagné prix du public là, mes amis? Qui est-ce nous pensez qui gagne prix du public là? Parce que c'est pas lui-même qui a commencé. N'a demandé tout le monde et membre jury, lui-même vidéo nous, parce que nous sommes capables ensemble vin by tout résultat compétition. Oh my gosh, Linda t'es sorti. Nous allons remettre Linda dans l'équipe là. Qui est-ce nous pensez qui t'a gagné prix du public là? C'est ça m'ta remet nous dit en bas live là, commenter qui moun nous pensez qui t'a gagné prix du public là. Parce que nous va commencer par prix du public là. Qui est-ce bon, est-ce que Linda disponible? Edli? Est-ce que tout jury là? Attends Linda.
n'a fait une galerie vue pour tout le monde capable de voir nous. Public là retourné là et Linda comment ça t'a pour nous délibérer pour qu'on pas résultat ou non comment ça t'a dis-moi un petit feedback de comment va la t'a dans public là dans jury. Oh eh ben vous connaissez l'était nous c'était très excitant et n'a débattre pour qui est n'a pas aller parce que bagaille là c'est que toutes mesdames yo ba nous belle projet. Donc, il était un petit difficile pour nous arriver à un choix. Et puis, bon, on connaît tout. Des fois, c'est nouveau pour nous. Des petits bails nous ont manqué. Mais il était intéressant quand même que vraiment, que Internet a permis nous de débattre vraiment comme si nous étions ensemble. C'est vraiment comme si nous étions ensemble, nous débattons bien. Ça, c'est belle. Et je suis déjà excité pour mesdames. Là. Bon, moi, je presque senti me gagner tout. Tak belle pour monde qui t'a rien connait comment nous fait ça c'est pendant que Shaina t'a fait présentation là nous t'ai créé un espace spécifique online côté membre jury était capable de retrouver pour faire discussion faire débat entre eux sans que vous pas déranger Zoom n'a fait là franchement vive technologie et rappelez côté nous qui côté où est Linda là nous au Kai et moi je suis là en bas dans espace la Kai hôtel côté que m'a dirigé et vraiment content et puis température magnifique pas fait trop chaud nous gagne bel soleil après un gros la pluie qui fin tomber donc vraiment même la nature dit faut la lier pour nous te faire belle bagarre ça aujourd'hui excellent. Okay? Excellent. Yeah. Molé nous même me connaît que on a bange et Melissa qui côté où est ou même Port-au-Prince ou même au Port-au-Prince et Lily même moi capable reconnaître que ou même au Kai tout dans l'espace de la carrière, parce que moi, j'ai collaboré avec Linda. Ça veut dire, Port-au-Prince, au CAI, nous tous là, nous retrouvons nous sous live. Je ne vais pas faire mon temps de plus, je connais ces résultats. Mesdames qui t'a pitié, il faut me rappeler nous ça, toutes mesdames qui t'a pitié, il y a un espace dans Hope for Haiti à côté que vous avez social distancing, côté vous avez gardé live présentation ça. Mesdames, félicitez-nous encore une fois. En ben, avant nous annoncer le prix du public, moi bral montre non 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 c'est prio qui est-ce qui a bail résultat qui est-ce qui a résultat dans même mais qui est-ce résultat oui oh ah je pense c'est moi qui va le bailler oui parce que moi je vais d'abord qui va bail résultat mais nous bral annoncer d'abord prix du public mesdames et messieurs et bral share screen moi pour montrer nous qui est ce public là et décider qui gagne nous recevoir j'aime te dire à plus pratiquement 400 votes mais nous décider que prix du te doublon nous est doublon yo et ben moins bral ba nous est prix du public là kounia qui côté ça nous était décidé comme public qui c'était prix qui était gagné est-ce que nous est résultat prix du public là mes amis mesdames et messieurs avec 30 secondes gros taille, mais au final, c'est GTT Devwin qui gagne prix du public là avec 33,8%. Il a gagné 396 personnes qui ont voté et 33% ont décidé que c'est et Devwin GTT qui gagne prix du public. Et qui a prix du public là? Prix du public là, c'est que nous bral prend business ça, espace moment le fait côté le tap pitch là. Nous bral mettez promotion Facebook et nous bral poster sur toute plateforme Bange Chocarella pitch que Edwin te fait là. Nous bral mettez et la promote sur Facebook et nous bral font promotion qui particulièrement avec Facebook Ads. Côté que nous avons ciblé des gens dans la région, justement sud là, pour nous permettre que vous gardez. Oh, attends, est-ce que nous voyons le résultat ou bien? Parce que nous avons ça qui devant nous, ce n'est pas les mêmes que nous. Et ce GTT qui gagne pour ça, et nous allons mettre Facebook ad sous lui, et nous avons publié Pichia, sous Chocarella, sous Bange, sous Hope for Haiti. Et nous avons le target li pour les gens dans le sud capable de voir la vidéo li même qui pitch et capable de connaître le produit la plus bien. C'est ça que nous avons
offrir comme prix du public. Eh bien, félicitations, Edwin. J'ai l'impression que j'aime tes chers, que moi, il pas paraître assez gros. Bon, mais c'est ouais, c'est capable de faire Noël, puis bien encore. Dis-moi qu'on y a si Noël, puis bien. Oui. Ça, c'est qu'on y a Noël, puis bien. Ok, ok. Ouais. Okay. Ok, ok. Ah, wow. Eh bien, mes amis, félicitations. GTT, Devine, félicitations. Et ma félicité tout le monde qui t'a voté pour Ifim Yomed, pour Easy Work, pour Cosmos, et puis pour Imajoral. Et félicitations. Eh bien, nous arrivons dans le moment, côté que nous voulons connaître, m'a rappelé nous que prix du public, là, c'était Youn, mais nous ne venons pas là pour prix du public. Nous venons là pour ramasser 18 000 dollars que vous pouvez Heidi à profit. En bien, parti ça, côté que nous connaissons, premier prix à braler avec 10 000 dollars américains, je dis. Deuxième, nous braler avec 5 000 dollars américains. Et troisième, nous braler avec 3 000 dollars américains. Eh bien, mes amis, nous allons passer la parole à moun qui se met parole là, représentant jury, qui va dire nous qui est qui gagne concours Hope for Haiti aujourd'hui. N'a passé la parole à Linda. All right. Bon, premier bagage, m'a remercier tout l'autre membre jury qui te rend ça facile pour nous être capable venir avec nos résultats. OK? Et puis m'a complimenter tous les 5 participants yo parce que là, pral gen moun ki pral gen l'argent, mais nous tout gagnons. Parce que le fait déjà que nous mettons projet nous sous pied, ça veut dire que nous c'est des gagnants déjà, ça veut dire que nous réfléchi, nous c'est des entrepreneurs. Si je dis à nous pas soutien à Kobla, ap gen d'autres opportunités, c'est sûr. Donc, compliment à nous toutes, mesdames. Bon, Kalin, est-ce que moi live, est-ce que ouais, est-ce que tandem, parce que je ne suis pas sûr. Tout bagay en forme. En forme, ok. Parce que je ne pas vle pour moun yo pa konnen qui est-ce qui soutient avec bel bagay ça. Mesdames, vraiment, compliment, compliment. Donc, vous connaissez son suspense, mais bon, et mon budget a plagué libre, elle commence par troisième moun là. J'espère la content parce que je suis content pour lui déjà. Et puis bon, donc, je pense que je vais nous pour venir vendre mon moringa parce que je besoin en forme. Troisième moun là. Donc, Devwin, Denozil, et c'est Global Tropical Transformation. Bref, complimenter ou parmi finalistes ou parmi moun qui gagné donc c'est troisième moun là donc bel projet moi content non pas capable surprendre pas capable écoute excuse-moi oui donc troisième là c'est pas capable mais c'est normal moi même pensé me tape dans temps ouais joie sous figure Tevwin moi pas welli donc OK pas de problème espérer le content ça le nawel donc mes compliments. Donc, Kounia là, suspense là, monter, m'obliger à passer par deuxième moun là. Deuxième moun là, bon, deuxième moun là, c'est Bernice Néré. Bernice Néré, projet au la petite main, même mren bral mette bâton là ou, parce que vous connaissez Association Touristique Sud-Moyé, a fait ou Fatra. A fait énergie pour nous prendre fatra ça pour nous transformer en bagaille qui bon pour zone là donc ma veille moi d'ailleurs donc fait wel marché donc je dis là où c'est moun qui qualifié en deuxième position pour joindre l'agent et Hope for Haiti pour dire merci en pile pour avancer avec lui donc tant pri femme senti ou femme tande ou, c'est pas comme si vous gagnez jodi a non, mais faut continuer à travailler vraiment pour pérennité projet ça. Compliment à vous même. Bon, mesdames yola, que n'a bat fort, n'a mande qui est, man kalen d'autres, si man mande qui est ça qui prend premier prix a. Seul ba man di ou, son j'ai passé bon côté, man vle oué vraiment que wap fait bel bagan ak l'agent sa premier a, ou gon aspect que man remè en pile, parce que en tant qu'entrepreneur dans le sud, c'est un plus gros problème nous, c'est nous pas qu'à joindre équipement nous des fois. Donc, moi pour aller avec Dagi Charchal qui lui-même, c'est lui-même qui image orale. Super parce que vraiment
ou konnen dan, mwen men souri. Donc mwen men souri, donc mwen men a fè bel dan. Donc dentiste yo pa gen problèm. Même avec ou même. Donc m'a vinn visite yo pour mwen gade, pour mwen wè sa van nou an que c'est li wap vann vraiment. Mwen remen aspect kote wap deservi dentiste yo, aspect kote wap deservi public là comment parce que des fois vraiment mon a une radiographie pour le faire et puis l'obliger monter Port-au-Prince et on est à faire Matisse ça raid pour le sud donc moi souhaiter qu'on ca délivrer ça l'autre partie que moi mais là voler là c'est aspect social là côté qu'on dit que chaque 6 mois au fond clinique mobile ça veut dire que on remet à société là dans ça on va faire donc Dakisha compliment voyez monter. Et puis Hope for Haiti continue avec nous Christina merci encore qu'on choisi femme parce que moi-même ouais ça fait femme non moi-même net donc je suis content côté by femme opportunité pour te faire ça et en plus de ça qu'on est demain c'est la fête des mères donc mesdames yo à l'honneur on va célébrer compliment mesdames Marc Alain chapeau bas pour vous merci ensuite ça me plus content moi j'ai une opportunité pour me faire ça les Zoom c'est première fois m'a fait live Facebook donc mon câlin vraiment magnifique merci beaucoup prochaine fois la plus belle encore merci jury merci Hope for Haiti donc m'a passé parole là-bas mon câlin pour les faire plus bruit avec mesdames yo qui sont gagnent merci en pile Linda mes amis bâton bravo pour toutes les dames yo. Adi là, nous gagnons GTT qui sorti avec $3,000 plus prix du public. Ça veut dire que nous pourrons permettre que GTT promote sur tous les réseaux sociaux. On a Facebook Ads, on a mis sur Chocarel là. Et en plus, on a mis $3,000. Félicitations et GTT. Et Cosmos avec Biodigesteur plus question courant, $5,000. Après, on suit en live et pour faire ça. Et puis, au final, champion aujourd'hui qui sorti avec $10,000 de Hope for Haiti, c'est un monde qui était particulièrement très assidu, son monde qui est vraiment, vraiment motivé, qui toujours voyait, premier monde qui toujours voyait Pitchly, premier monde qui était maîtrisé Pitchly en 3 minutes, tout. Moi, je n'ai pas pour me parler, pour me faire opinion, pam. Même t'as suivi et vraiment félicitations Dakisha, nous connaissons t'es très motivé. S'il te plaît, gagner ou rentrer dans pitch room, dans une après l'autre pour un petit feedback, en respecter social distancing. Même par contre, Christina veut dire un bagage, jury veut dire un bagage. Seul ça, Christina, on va pas annoncer. L'autre bagage, t'es pas là même dans tout. Oui, non, l'autre bagage, c'est juste que tant qu'on t'a dit, l'autre mounio n'a. L'autre deuxième Sylvie avec Santiana on a metté pitch payo sous Chocarela on a metté sous Hopeady pour tout le monde qui ça pour yo ka bien paraître tout le monde qui attendait ça yo besoin de ça yo veut dire avec Christine a dit c'est que nous ajoutons l'autre petit prix encore c'est que prix de bail pour prix du public là n'a ajouté encore pour Santiana qui c'est Easy Work. Côté que nous allons faire promotion ads Facebook pour les tout et puis on a publié pitchien sur toutes les réseaux sociaux pour monde capable plus monde capable pour projet. Donc tout le monde sorti en petit bagaille. Tout le monde sorti avec des sacs sorti avec l'argent, des sacs sorti avec promotion Facebook. Donc Santiana nous va promouvoir projet là tout. GTT n'a promouvoir projet là et puis l'autre monde lui même il gagne il recevoir comme. Par contre l'autre membre jury qui a envie de son bagaille Molène, Melissa. Edley, tu es online? Non. Peut-être le téléphone ou en ligne d'appel d'un bagage. Edli, on va venir d'un bagage, oui, là. Et Mélissa a parlé en attendant. OK. Je voudrais me féliciter toutes mesdames. Et Jean-Linda t'a dit, c'est très, très difficile de faire un gros débat sur tout détail et pitcho. Et puis, je veux dire félicitations vraiment à Devwin, Bernice et Dakisha pour gagner, yo, mais aussi pour l'autre mesdames, yo, Santiana et Sylvie, parce que l'idée par nous très, très intéressante. Et puis, pas d'après, mais que nous laguer l'idée, laguer business, là, vraiment pousser, parce que nous t'es vraiment apprécié toute idée, tout pitch. Yo. Merci en pile. Merci. Moulin, nous te voulons dire un bagage?
Bon oui, je voulais féliciter toutes gagnantes. Yo. Moi, je dis toutes gagnantes, bien qui viennent plus que l'autre, mais tout le monde c'est gagnant. Et puis, je souhaite avancer notre projet yo, parce que tout projet est intéressant et y a aidé la communauté. Donc, so, félicitations avec Imajoral, Cosmos, GTT, et ensuite Easy Work, ensuite IFI Biomed. Félicitations, mesdames, Kembela. Ça n'a fait un lit important. Li bon pour la communauté et puis tout le monde apprécie le travail. Merci en pile parce que nous avons participé tout dans le genre de concours qui a aidé nous à joindre des ressources pour nous avancer le business. Ça fait plaisir. Merci. Merci Moulène. Edle, vous voulez dire un bagaille? Une minute. Ok, ok, guys, ma félicite, remercie Hope for Haiti pour l'opportunité ça que li ba à quelques femmes au CAI, puis yo présenter projet yo et puis yo gagne pour yo capable lancer et agrandir business yo. N'a félicite toutes mesdames, toutes 20 mesdames qui t'est inscrit, qui t'est participé et 5 finalistes yo. Félicitations à nous chaque mesdames. Nous fait en pile travail, félicitations et une félicitation spéciale à toi première gagnante yo. Qui c'est Devwin, Bernice et Dagishore. Mesdames, chapeau bas pour nous. Le projet nous est vraiment intéressant. À mesdames qui sont jeunes, comme je dis, m'a dit non que la bataille n'est pas finie. Nous sommes capables de continuer à promouvoir le business nous et gagner un paquet d'autres opportunités toujours que nous sommes capables de présenter le projet nous pour nous capables de gagner l'argent. Et bon courage déjà avec le projet nous. Nous souhaitons nous un pile succès. Félicitations, mesdames. Merci. Mais on nous a mesdames, yo, non? On nous a mesdames, yo, mesdames, yo, rentrez dans le pitch room, non? Top vidéo, on va aller. Ok. Mesdames, yo, rentrez dans le pitch room, non? On a loué, yo, on a loué, mesdames, yo, on a entré dans le. Mais c'est oui, bon, moi, ça que passe. Ah, ça c'est ça, la présentation. Bon, moi, bon, moi, bon, moi, bon, moi. Ah, bah, yo, difficile, bah, yo, difficile. Bah, yo, difficile. Tout le monde a masse. Aïe, aïe, aïe. Entrez dans le pitch room, nan. Côté sal pitch room, nan. Sal pitch room, nan, toujours là. Entrez dans, yon après l'autre, entrez dans le pitch room, nan. N'a demandé dans l'autre, troisième, nan, rentrez avant, et deuxième, et puis premier. Entrez dans le pitch room, nan, pour qu'on nous puisse bien. Rentrez dans le pitch room, nan. N'dare mes gros feedback de nous chaque, pour moi qui j'en, comment nous y est. Activez pitch room, nan, pour yon, et Max, Maxime. OK, n'a a gardé pendant attendant que Maxime rentre dans pitch room, n'a vraiment aimé le feedback du feedback mesdames pour nous comment y est après ça etc. N'a aimé un petit feedback. Est-ce que pitch room n'a préparé? Est-ce que pitch room n'a préparé? Bon garder pour moi côté pitch room là. Pitch room n'a galé en aller. Pitch room à nous activer pitch room. Côté Pitchoum, Mélis et Christina, vous pouvez vous dire en attendant que Pitchoum est préparé? Moi, juste voulais dire compliment à toute femme ça. C'était vraiment intéressant. Je voulais dire merci à Bunch, équipe Bunch. Là. Vraiment, je ne pas faire ça. C'est l'équipe vous-même, Marc Alain. Et merci à Chocarilla. Merci à Hope for Haiti qui te permet de mettre l'événement ça sous pied. Vraiment, merci tout le monde. Merci Jujo, merci Molène, Melissa, Linda, Edli. Merci. Merci, merci Christina. Avec mes mesdames, yo, et on mute yo pour nous, Max. Côté nous, mesdames. Amira. Les gagnants! Ok, parlez fort et puis une après l'autre. Nous obligés de respecter distanciation sociale. GTT, est-ce qu'on promet ces publics à te voter pour vous? Venez devant, venez parler avec nous, GTT. Bah, non, petit feedback. Comment sentez-vous? Je suis très bien, je suis fière de moi, mon fière de staff là. Merci en ville, merci à Opoïti, merci Bunch, merci Christina, merci Van Calais, merci tout le monde, merci.
Ah, quand vous avez l'énergie, je suis content pour vous, Devine. Je connais que nous pouvons faire une rencontre, une réunion, parfois, tu es obligé de déplacer, Internet a des problèmes. Franchement, vous arrivez là, c'est bien. Félicitations. Hein? Mais dans tout cas, mais si vous êtes capable de bien utiliser 3 000 $ pour gagner pour continuer à avancer avec GTT. Eh bien, on nous prend un deuxième, non, Bernice? Bernice, ben, notre feedback, comment est-ce? Très bien, ma Karen. Moi, ça, c'est une fière. Moi, c'est un pile de travail, moi, de l'équipe Cosmos Santo. Et ma première, c'est encore une offrée, bunch avec tout internet, tout le monde. Merci un pile, pour travailler ça, pour l'initiative. Content. Et merci, merci, Bernice. En tout cas, 5 000 $ à le travail. Yeah. Et bien, Dagisha, mon Dieu. Mon sou live là, m'a regardé nous, mes amis. Vous êtes bravo pour Dagisha pour moi. Vous êtes bravo. Dagisha, qui j'en ai? Oh, très fier. Et ça fait plaisir tout. M'a remercié toute l'équipe là. M'a remercié Banche. M'a remercié Hopfaiti. M'a remercié sa formateur nous tout. M'a remercié tout le monde jury nous. Et ceci, je pense que. Avec Coco nous tout, parce qu'on a besoin nous en tant que conseiller, parce que nous déjà plus avancés que nous-mêmes, juste nous-mêmes pour nous continuer avec l'entreprise là, pour ne pas faire ça nous-mêmes. Merci. Félicitations. En tout cas, vous avez 10 000 raisons aujourd'hui pour continuer à avancer. Donc, al travail, vraiment féliciter au courage, parce que tu es très, 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 très motivé. C'est ça que tu voulais, c'est ça que tu as appliqué et tu es vraiment. M'a dit ça publiquement, c'est pour le premier monde qui t'est fini avec pitch 3 minutes là, les mrelo me dit bon OK, on a le non, ça passe, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout est en paré, ça a dit que travail pour ça et je dis aux jeunes ça t'a chercher. Merci. Bien OK. Après, mesdames et messieurs, c'est comme ça n'a metté fin jeudi à concours et Women Economy Challenge que nous t'est arrivé faire grâce avec internet. Et que nous sommes très, très contents que nous sommes arrivés à réaliser le projet. Ça a travaillé sur lui longtemps. Christina, merci pour confiance. Et vraiment, merci pour faciliter que nous avons gagné pour nous travailler avec vous. Toute équipe Bangelan et qui est actif, soit qui jury, soit qui a travaillé sur les réseaux sociaux, qui a fait tout le monde informé, qui a fait live. Je vous dis tout merci. Merci pour Haley. Nous vraiment fiers de toutes mesdames. Yo. Et tout le monde qui a participé. Et surtout, surtout, moi fier. Est-ce que grâce avec technologie et avec internet nous arrivons à faire ça possible. Non pas comme comment t'as pas fait final ça. Année dernière c'est pas consulté. Année dernière nous tout était prend machine nous aller au caï, nous aller sortir, nous ouais villa et nous te manger bon petit manger et avec Mounio et nous te rencontrer avec et finaliste nous te monter banner, nous t'as fait tout pile bagage ça yo. Et vraiment je dis à nous vraiment là pour nous dire, pour nous faire tout ça, pour nous faire nous faire grâce à une technologie que tout le monde est capable de porter contribution. Toutes mesdames, vous avez travaillé, écrivez-nous pour nous faire suivi. Et Christina, peut-être un dernier mot, ou bien Skyler, peut-être un dernier mot pour nous clôturer. Et si nous voulons, c'est. En tout cas. Ah, OK. Bon, moi, ma pour un dernier mot. Skyler, il n'est pas qu'à parler. Bon, moi, mettez Skyler. Peut-être un dernier mot de CEO Hope for Haiti pour dire nous ça, penser de concours, de gagnant. Yo. Skyler là? Christina, vous avez dit, peut-être parler pour lui? Christina? Yeah, sorry, nous pas quand même, peut-être nous. Et non, mais ce que je voulais dire, c'est merci à tout le monde qui a rendu l'événement ça en réussi. C'était un cooking chain événement. Donc, so merci en pile. En tout cas, bon, c'est comme ça qu'on a fini. Encore une fois, on a dit tout le monde vraiment merci. Et à bientôt pour l'autre édition de Women, de Economy Challenge. La prochaine fois avec un autre thème et surtout continuer. Travail. Merci à tout le monde jury qui te mette tant disponible. En tout cas, à bientôt tout le monde. C'est là, on a mis un fin à live là.
et tout le monde qui était sous live, merci en pile pour toute love que nous bail. Il m'espère n'a capable être en contact avec toute dernière ça et rester en contact avec Hope for Haiti, suivre Bange, suivre ça tout mon appel. Et on continue faire entrepreneuriat avancer dans le pays.